Retour du coup pour l'ouverture de ce Summer Split en Corée, deuxième BO du Split avec des équipes que vous, en tout cas en termes de nom, vous ne connaissez peut-être pas du tout et pourtant ce sont des équipes qui ont déjà pas mal fait parler d'elles, les Hanwha Life Esports notamment, Hanwha, qui sont en fait tout simplement le rebrand des Rogue Tigers, donc des joueurs que vous connaissez bien évidemment, si je vous dis des noms comme Mighty Bear ou Lava, c'est des choses qui peuvent peut-être un petit peu vous parler, les Rogue Tigers donc, qui étaient déjà en Corée. Le split dernier et les Griffins qui sont en fait les petits nouveaux arrivés des Challenger Series. Les Griffins qui ont fait rien de moins que 14-0 en Challenger Series, qui ont perdu une seule game perdue lors des du qualifier, enfin des promotion tournament. C'était contre les MVP, ils ont quand même gagné le BO 3-1. Et la dernière défaite en date des Griffins, c'était le 2-1 en Kispa Cup contre SKT. À part ça, pas beaucoup de défaites. On peut quand même positionner l'équipe comme un très très gros monstre à venir. Pour la Corée, ça va être très intéressant, surtout que c'est une équipe constituée principalement d'énormes monstres de solo queue. Donc des joueurs qui ont un niveau mécanique assez vertigineux, notamment Tarzan dans la jungle. Et on a vu à quel point la jungle pouvait être un petit peu le cœur de cette méta, avec beaucoup de junglers qui peuvent totalement être joués, avec pourquoi pas 3 supports autour d'eux. Ça risque d'être vraiment intéressant de voir Tarzan évoluer dans cette méta. Ouais. Et en tout cas, on est parti dans cette draft, donc aussi les Hanwha Life Esports, qui sont 10 joueurs, hein, mon cher Tech. Donc voilà, ils ont 2 joueurs en fait par rôle. C'est quelque chose que les Afrique ont mis en place le split dernier, ça a très très bien fonctionné pour eux. Ouais. Et dans les interviews d'ailleurs, les Afrique expliquaient que c'était notamment grâce à ça qu'ils ont aussi bien performé. Et du coup, c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser de plus en plus en Corée. On sait que les SKT ont énormément joué avec des remplaçants, mais c'était sur des postes particuliers. Là, on développe vraiment avec beaucoup plus de postes. Les ex-Samsung, du coup, maintenant GNG, qui sont aussi avec alors 9 postes. Le rouleur n'a pas de remplaçant, mais sinon on a quasiment un remplaçant par poste. C'est peut-être aussi la norme maintenant en Corée d'avoir un remplaçant par poste. C'est vrai que c'est fort, hein, Tech, il faut quand même l'avouer, ouais. De pouvoir jouer justement contre 5 autres personnes en plus qui sont dans ton équipe. Donc au niveau de l'organisation des scrims, c'est évidemment extrêmement simple à réaliser. Et après, l'entraînement, on peut aussi cacher des stratégies qu'on n'a pas envie de montrer évidemment aux adversaires. Donc c'est très malin de la part des équipes. Et notamment, ça permet de faire de surprendre les adversaires en changeant certains joueurs. Sachant que là on affiche du coup Lidarang au niveau de la top lane, Sangwan sur la jungle, Lava en mid lane, Sangyun en AD carry et Ki sur le rôle de support. Là, l'œuvre principale finalement, les joueurs Rogue Tigers qu'on a vu l'année dernière. Donc, pas de surprise. Des bans intéressants, notamment le Taric, on l'a vu à quel point c'était fort, mais surtout le Pyke qu'on voit du coup pas qui est jouable et qui sera ban sur cette game. Pas de Irelia et de Skarner qui sont aussi des champions assez plébiscités. Et du côté des Griffins directement, ce sera une Camille récupérée en premier slot. Peut-être pour Sword, mais est-ce qu'on peut vraiment être sûr ce 8.11? Ça c'est compliqué à dire. Après Camille, c'est peut-être le seul champion qu'on ne voit pas vraiment être joué ailleurs. Par exemple sur la mid lane, c'est moins intéressant de jouer Camille puisque t'as moins de wall. C'est vrai. Après sur lequel faire ses grappins. Ça a été déjà joué en support, ça a déjà été joué dans la jungle. Ouais. En support jungle effectivement. Pourquoi pas? Maintenant support, bon, pourquoi c'est pas un peu, c'est un peu disparu, ouais. En carré, hein. Je sais pas, tout, ça y paraît. Pas mal de bruiseurs. Ça me paraît trop lent en fait à mettre sa séquence, sa série de burst en fait à Camille, contrairement à d'autres champions. Mais en tout cas, oula, des champions atypiques finalement du côté de l'équipe Redside, enfin notamment le pick de Elise.
qui marche bien apparemment sur ce nouveau patch d'ailleurs. Ouais, et Elise dans la jungle du coup potentiellement. Ouais. Pourquoi pas avec un Vladimir qui peut aussi être flex, mais bon, là actuellement tout est flex potentiellement. C'est-à-dire que cette Lulu, est-ce qu'elle est support, est-ce qu'elle est mid, est-ce qu'elle est jungle, on ne sait pas. Ou AD. Comme on l'a vu dans les mains de Pilot. Ou AD, c'est vrai, à la game précédente. Pourquoi pas, c'est vrai qu'elle peut complètement être jouée en bot lane. Et Vladimir aussi qui peut être joué dans le rôle de carry AD. Hein. C'est très fort, on va voir ça en tout cas. On a concentré pour le moment beaucoup de dégâts magiques du côté de l'équipe Redside. Il faudra s'assurer évidemment de dégâts physiques de leur côté. Selon qu'il reste quoi comme support actuellement? Ah, je crois qu'il est à la dégâts des Hanwan. Et un Darius. Le Darius qui sera très probablement bot. Ah c'est... ouais, moi je le mettrais top lane. Ou mid lane. Je sais pas. Non, top ou mid, je le verrais pas à des carry à dire vrai. Ah ouais, j'en ai vu quelques-uns des Darius à des carry pour le coup pop. Je trouve que Vladimir c'est plus fort du coup dans le rôle de carry AD. Peut-être. Ça c'est possible effectivement. Mais c'est vrai que j'ai tellement l'habitude de voir Vladimir en solo lane. Ah ouais. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, tout est jouable. En tout cas, ça fait aussi plaisir honnêtement d'avoir une draft où on se demande mais qui va où. Et ouais, il y a beaucoup de choses. Tout ce que tu pensais être la norme n'est plus le cas. Oui. Tout a changé en 8.11. Et en tout cas, Kennen d'ailleurs. Kennen qui va être supprimé. Côté Hanois. Pas de Gragas non plus. Gragas qui revient de plus en plus sur la mid lane notamment. Assez étonnamment, mais c'est vrai que c'est un champion qui reste quand même avec pas mal de burst. Et on l'a vu dans les mains de Ragnar aussi à la game précédente, enfin au BO précédent. Sur la première game. Un support, ouais. Pas de Lucian, qui est un des derniers carry AD jouables au poste en bot lane en tout cas. Le dernier AD carry jouable qui prend des items AD carry. Parce que bon, il y a d'autres carry AD qui sont viables, notamment des Kai'Sa, mais qui partent sur un stuff par contre oui. Beaucoup plus magique. C'est vrai. Avec notamment, bah, évidemment, une Dawn Nashor et un Vunia. C'est ça. Un Vunia, voire un Rabadon. Et ban de Soraka pour les Griffins. Ban de Soraka, et je peux comprendre parce que c'est vrai que le Soraka Darius quand t'es en bot lane, il est un peu compliqué à passer. Soraka, parce que le Darius, tu le tombes jamais. Hein. Vladimir Darius Soraka, ouais. Sous peu qu'ils ont 3 dragons des océans en prime. Ouais, c'est là, bon, les gars, qui prend le Morello, bah, tout le monde. Ah, très bien. Et allez, le first pick là, côté. Là, par contre, j'ai vachement de mal à arriver à faire des pronostics. Par contre, ce Fatal Six sera très probablement support. Oui. Il y a peu de chances qu'il soit joué ailleurs. Beaucoup de mal à faire des pronos maintenant au niveau des picks. C'est compliqué quand même. T'as tellement changé. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il reste Kai'Sa éventuellement pour Viper. Est-ce qu'on décide de laisser cette Lulu? Il y aura le Horn. Je pense que ça va être très rare aussi de voir une game sans Horn qui soit top. Bot comme vous voulez, n'importe où. Je crois que je l'ai même vu pop en jungle des Horns. Alors je pense que c'est quand même moins fort, mais bon. Mais la OE marche bien maintenant. La OE marche très très bien dans les compositions d'équipe. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup aussi de champions mêlés. Et oui, la range n'est plus du tout la meilleure stat du jeu. Ce qui était le cas sur les quasiment 8 saisons précédentes. Oh! Alors là. Ah. Ouais, bah donc du coup, Lulu bot lane. Lulu bot avec un Horn à des carry ou alors Lulu en rôle. Enfin. Horn en support, en rôle de carry. En tout cas, Lulu qui farmerait sur la lane plutôt que le Horn, peut-être. Et Katamid. Mais non. Ah, vraiment? Un dirait Katamid, quand même, je pense que t'as quand même besoin d'XP sur la Kata. Non, le Yasuo! Le Yasuo, fallait qu'il sorte. Et là, voilà, là on a notre carry AD, je pense, du côté de Hanois. Ça sera Yasuo Final Stick au niveau de la bot lane. Ah, écoute. Double Ignite, je ne pense pas. Ah, on va switch rapidement. This planet anymore. Et qu'est-ce que c'est fort en plus, Yasuo, au niveau dans le rôle de carry AD. Tu prends une exhaust et en fait, tu t'assures du split push, garanti. Et un V1 évidemment à son avantage. L'exhaust est extrêmement fort. Double Ignite dans chaque équipe. Non, mais l'Ignite, je pense pas qu'il va être conservé pour Sengun. Ça serait vraiment étonnant. Et la cleanse du côté de Lava, elle est assez intéressante d'ailleurs, cette cleanse sur le Vladimir. Parce que. À part le polymorphe, il n'y a pas grand chose qui va changer. Je pense qu'on va changer. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements. Oh! Enfin, moi, qu'on met du coup Yasuo sur la mid lane. Bon, Yasuo, c'est à plus de sens, je pense, d'avoir la cleanse déjà. Avec une cleanse, effectivement, on a changé du côté de Fiddlestick, on a pris l'exhaust. Et finalement, la bot lane des Griffins, c'est pas du tout la Camille Lulu qu'on attendait ou le Gorn Lulu. Non, c'est du chaîne support avec un Ryze. C'est le dernier truc qu'on attendait. Ok, et bah écoutez, du coup, dans le rôle de carry AD, on a des hyper carry. Mais je pense qu'il faut pas. Mais ça dire... sera des AP. Il faut plus dire carry AD maintenant, il faut dire farmer bot lane. Je pense que c'est le. C'est vrai que c'est le terme le plus adapté. À mon avis. Dans la situation. Et on a beaucoup de menaces. On a beaucoup de menaces. Une Camille dans la jungle du coup.
Après, il y a quand même un avantage du côté des ex-Rossagers, donc les Hawan, c'est qu'on a beaucoup plus de dégâts mixés avec ce Yasuo, avec ce Darius qui apporte énormément de dégâts physiques. Tandis que la menace en termes de dégâts magiques est largement présente, puisque c'est une Ellie, c'est un Vladimir, même le Fiddlesticks finalement, qui est quand même un champion qui met beaucoup de dégâts magiques sur les timings d'Ultimate en particulier. Alors que du côté des Griffins, en dehors de Camille, on n'a pas tant de dégâts que ça, sur le plan physique en tout cas. Et leur scaling est propre en plus, hein, au Hanois, Life Esports, Yasuo, Vladimir. Et attends, c'était quoi le dernier? Yasuo, Vladimir, Lulu. Et on est parti du coup directement dans cette game. Deuxième BO3 de la journée, Tech Tech. Griffin contre Hanois, Life Esports. Yasuo Fighting, ils sont lâchés directement évidemment. Là-bas du coup sur la mid-lane avec ce Yasuo. Et on a attendu longtemps avant de savoir sur quelle lane il allait jouer. Tout le monde est hypé par le Yasuo. Yasuo avec une cleanse du coup qui va être très, très compliqué à tomber. Il va pouvoir se prémunir des différents CC qu'on va proposer les Griffins. Et qui est commencé par un bouclier de Doran. Potion de corruption par contre dans les mains de Razer. On va essayer de jouer maximum sur le POC. Sur la tenue de lane. Cette bot lane qui quand même devrait mettre de la pression du côté des Hanois. Parce que on a deux champions range déjà naturellement. Et en plus des champions qui ont de base des dégâts assez conséquents. C'est vrai que le rebond du corbeau d'un Fiddlesticks sur les premiers niveaux, oui, ce qui fait quand même pas mal de dégâts. Le chat n'a pas beaucoup d'options pour réagir à ça. On n'est pas en reste sur les tout premiers niveaux. Peut-être pas forcément ultra efficace. On n'est pas en reste du côté Griffin, hein, non plus. On a quand même beaucoup de CC à envoyer dans les mains de Shen et de Ryze. Plus les dégâts de base de Shen évidemment sont tout à fait corrects. C'est vrai, si on arrive à gap pareil close, pour le Ryze, ouais. Il faut les atteindre, ça c'est une certitude, il faut les atteindre. Et maintenant les carry AD du coup qui doivent s'entraîner quand même sur des champions à dégâts magiques. Ouais, ça va pas être facile quand même, hein, pour un carry AD, t'imagines. De jouer toute ta vie des carry AD pour finalement passer le petit fromage de la part de Tarzan qui ne passera pas. On est vigilant. Côté red side. Il a voulu compenser le fait que la duolane des Hanois n'a pas eu à pile, enfin à pool plutôt pour son jungler. Du coup ils ont pris l'avantage du push. Ce qui peut déranger des champions, on l'a dit, comme les Griffins qui ont quand même vont avoir tendance à se faire naturellement mettre en difficulté. Du coup l'intervention de Tarzan aurait peut-être pu compenser un petit peu, mais bon ça n'a pas été le cas. Maintenant on a quand même pu récupérer le carapace. Du coup c'était de Camille, on va pouvoir aller faire les corbins, on perd pas tant de temps que ça. Finalement pour le jungler des Griffins, ouais, c'est vraiment l'agression de la part de Lava, il a pas voulu aller chercher plus loin sur Rather. Il a eu raison puisque Tarzan était juste à côté. La ligne d'Arang par contre qui devrait avoir l'avantage quand même du matchup au niveau de cette top lane, on en a pas parlé. Ouais. Mais c'est un Darius a quand même de bons arguments contre la plupart des champions d'ailleurs. C'est bien fait la part de Lava. Particulièrement contre des tanks d'ailleurs, qui peuvent pas vraiment le tuer alors que lui peut sustain et faire beaucoup de dégâts. Avec son passif notamment. Et c'est facile pour un Darius de mettre la pression comme ça sur le champion qui, en fait, peuvent pas vraiment se permettre de faire les trades qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire des trades assez longs. On va essayer de mettre toute la rotation de cooldown au maximum. Contre un Darius, si tu fais ça, bah, tu prends tous les stacks du passif et ça devient beaucoup plus compliqué de se maintenir à niveau en termes de points de vie. Et le push, hein, toujours offert par ce Fiddle. Et peut-être premier gank de la part du jungle. Sangwan qui va rencontrer Tarzan, on est en forme araignée. Oh, le problème c'est si commence le duel en forme araignée, il aura pas forcément l'avantage contre la Camille. Il a besoin absolument de mettre le cocon en premier. Sinon je pense pas qu'il puisse prendre le 1v1 contre une Camille. Camille attaque soutenue, hein, qui plus est. Beaucoup de dégâts à faire valoir. Même si l'électrocution de la Elise évidemment fait peur au niveau du burst. Mais c'est compliqué, point d'arrangle là pour le moment d'arriver à trouver son sustain. Au niveau de cette top lane, c'est ça tout l'enjeu, hein, d'arriver à jouer contre un Darius, c'est qu'il faut se mettre pratiquement au corps à corps avec lui. Ouais. Pour l'empêcher justement de récupérer ses HP. Après il y a les biscuits du côté de Sword, pour le moment il tient bien. Et on se méfie comme quoi, hein, ça montre vraiment, c'est un gros indicateur justement de la méfiance qu'avait Sword, ouais, par rapport au matchup contre Darius. Il voulait s'assurer justement une bonne tenue de lane. Donc on voit que le POC est répété et continue du côté de Razer. Il joue très très bien le matchup, parce que honnêtement, là-bas, a pas fait des mauvaises phases de trade. Il trouve toujours le EQ spell avec toi, attaqué linké derrière pour voir. Oh, attention à la suite là, évidemment, ça va être fatal. Indirectement, on arrive du côté de Sangwan, on arrive à trouver un premier dash. Buff, on a même pas besoin de. Il faut anticiper peut-être le cocon. Est-ce qu'on va anticiper le flash? Pas besoin. C'est parfaitement joué de la part de Sangwan. Flashing.
Non. Vengeance peut-être de Tarzan, ça peut être compliqué maintenant de se retrouver au corps à corps. Non. Darius, si tu as raté ton premier sort, on n'ira pas plus loin. Pour le jungler des Griffins. Belle intervention de Sangwan qui arrive complètement à abuser des cooldowns de Sword. Ouais, c'est dommage. On va forcer le TP maintenant. Est-ce qu'on va faire la fameuse stratégie du jungler qui reste sur la top lane après le TP de l'adversaire pour vraiment sortir son opposant de la lane? Non, on peut pas se le permettre. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a plus de farm au niveau de la jungle topside de Sangwan, ce qui veut dire qu'on laisserait trop d'espace à Tarzan ensuite sur le reste de la carte. Mais le push, ouais, qui commence à être un petit peu compensé, le fait d'avoir un rise quand même. Ouais, ça va vite, hein. C'est efficace, en plus il doit prendre son back maintenant, il a toujours pas récupéré sa tire, 47 CS déjà, à 5026 de jeu, et on va revoir du coup ce First Blood. Et c'est un petit peu dommage quand même le flash de Sword, parce qu'il aurait flash finalement vers ses creeps, il aurait pas pu faire cocon. Alors que là du coup il a flash par un endroit où il n'y a plus du tout de creep. Après il y avait la vague, sans le flash de Sangwan, il pouvait pas non plus faire cocon, parce qu'il y avait la vague de sbire qui s'était mis derrière, il avait essayé de la ramener. Exactement. Il a vraiment gagné beaucoup. Il a voulu gagner plus de distance. Et le cocon a été fatal. Ouais. Et du coup, cette élite, écoute, qui fait une belle apparition là sur la faille de l'invocateur. Avec ce First Blood offert généreusement à son top laner. Qui a pu, lui, de son côté, conserver son téléport, évidemment, Lindarang. Même s'il y a un gang de la part de Tarzan, ça ne devrait pas être problématique. Et voilà, on va voir par contre évidemment le retard que va accuser Tarzan dans la jungle. Parce qu'un jungle maintenant qui n'arrive plus à faire des ganks, c'est un jungle qui aura beaucoup de mal à trouver l'XP sur la carte. Ah, maintenant que les gangs rapportent beaucoup moins. Il faut absolument contrôler les carapateurs si tu veux faire ça. Et avec une Camille en l'occurrence, bah t'as besoin quand même de montrer un petit peu de présence. Hein. Il faut que tu rushes ton level 6. C'est à ce moment-là que tu vas pouvoir faire des ganks qui ne vont pas pouvoir être esquivés par les adversaires. Pendant qu'on voit que Razor arrive à jouer très très haut face à un Yasuo. 26 CS d'avance en plus pour le midliner Griffin. Je pense qu'il a l'avantage sur la Lulu de pouvoir punir le Yasuo. C'est-à-dire qu'un Yasuo qui veut remonter le vague de sbire. Oh. Ouais, c'est compliqué pour Razor. Est-ce qu'on peut mettre le R? Peut-être, ça va être beaucoup de contrôle. Le coco derrière, le burst est magistral. Et ce sera un kill encore une fois avec l'intervention de Sangwan. On était trop avancé du côté de Razor. On avait pourtant la vision grâce à cette pink. Mais Tarzan n'a pas pu prendre le risque de rester trop longtemps à proximité de Sami Dayne. Parce que comme tu l'as dit, il est en retard, il doit absolument garantir du farm dans sa jungle. Et c'est encore une fois puni par l'expérience du jungler, des ex-outsiders. Oh, et heureusement que Sangwan est pas au courant de la récupération de ce red buff, sinon il serait parti en counter. Il y avait Lava qui a la priorité sur la mid lane. Et on va faire un décalage, bot lane maintenant. Il faut reculer, les griffins là. On n'y va pas, pas d'ultimate sur Lava. Pas de summoner spell non plus, on va pas prendre de risque. Il y a quand même beaucoup de CC comme on a dit au niveau de cette botlane. Et le Shen aussi qui passe le level 6 avec son shield. Ça peut être évidemment dissuasif. Petit trade. Dégâts de Lindarang. Alors le seul problème avec un Darius dans ce genre de situation, c'est que si tu mets une première phase de trade sur quelqu'un, tu mets le passif dessus. Et du coup tu peux plus vraiment te permettre de le deny sous tour, parce que sinon tu prendrais l'aggro de la tour à cause du dot. Mais en dehors de ça, on est quand même dans une situation très favorable pour un Lindarang qui a récupéré son premier kill, qui a rattrapé Sword en termes de farming et qui maintenant plus avec son phage et cette mobilité supplémentaire. Et attends, je vais revoir ce trade parce que Lava a fait un engage du coup. Il a sa tornade disponible, il y a... Ah oui d'accord. Polymorph bien placé, mais la cleanse évidemment. Il a récupéré Lava, on en voit toute l'utilité ici. Et donc même pas le temps de mettre la croissance prodigieuse. Comment qu'il y a un bon niveau de sa botte là, il ne sait qui est bon. Le flash taunté de la part d'Eletan était excellent qui devrait se faire attraper, il a son flash encore de disponible, j'ai l'impression que les dégâts sont beaucoup trop nombreux. Du côté des Griffins, il sera à 2 kills de récupérer un téléport. Le TP de Lindarang, peut-être faire la différence avec Sangwan en plus qui va arriver en soutien. Est-ce que Lindarang fait suffisamment de dégâts avec son Darius? Le grab sur deux personnes, c'est bien fait, le coco en plus. Pour le moment c'est l'Eon qui serait à portée, il faut juste mettre le stack. Et de deux, c'est fait. Tellement double dur smash de gérer un Darius dans ce genre de situation. Et c'est là où on voit finalement la force hein, aussi pour un top laner de pouvoir conserver son téléport, de pouvoir faire une intervention comme ça sur la bot lane sans réponse évidemment du top laner adverse. Oh, on va l'engage là, attention Viper, un peu greedy, on a une clips. Touche. On a une clips. Heureusement qu'il y avait la clips effectivement du côté de Viper, puisque le follow-up de Lindarang pouvait être assez dangereux. Alors je crois qu'il avait déjà perdu le reset de son ulti, heureusement. Et la défense par contre qui va mettre du temps à arriver. Je pense qu'il prend toujours le tour, pas de téléport non plus pour Sword. La top lane qui était récupérée du côté de Fiddlestick et Vladimir. Et effectivement, cette force brique qui va être sécurisée. 375 gold partagés du côté de Darius et de Elise. Et du farm évidemment à la chaîne.
Et on pourrait voir peut-être un Darius qui récupérait les ressources sur la carte. Et un Darius qui commence à être bien, un Darius qui carry. C'est très compliqué à gérer. Et Sangyun qui a pas mis sa poule alors qu'il avait l'information pourtant de l'arrivée de Camille avec le creep. Ah, il a voulu temporiser au maximum malheureusement. Et le téléporte, justement. La temporisation évidemment d'un Darius. On a plus de mana le grab du côté des Griffin. C'était pas si collé que ça les joueurs Griffin. Il fallait trouver la range. Oh, mais c'est une petite slow motion sur le dunk. Le moment où tu prends le premier kill avec le dunk de Darius, c'est très bien que tu vas réappliquer ton max passif sur une deuxième cible. Et c'est un Darius Trinité. Qui va faire mal. Il va faire très 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 mal Sword. Je suis pas sûr qu'il ait envie forcément de le rencontrer, sachant qu'il a en plus un red buff. Le dot du red buff plus le dot du passif. C'est mortel, même pour un Horn. Hein. Dans tous les cas, n'a pas récupéré du tout d'HP. Et c'est vrai que c'est un Sword qui part sur un cœur gelé en first item. Je suis pas mal surpris, Tech, parce que je vois pas l'intérêt en fait du cœur gelé contre un Darius. De réduire l'attaque speed d'un Darius. Bon, est-ce que c'est vraiment utile? Ouais, après, il va peut-être pas faire le. C'est compliqué, il va devoir temporiser au maximum. Est-ce que Lava peut faire la différence? On devrait prendre le kill a priori sur son one avec en plus l'intervention de cette Lulu. Razer qui va trouver quelques contrôles. C'est compliqué. L'ultimate de Lava qui en plus attend la dissuade derrière. C'est contre les buns, ça suffira pas. Lava qui va tomber malheureusement, sauf qu'il va récupérer ce kill. Son one par contre, quelques dégâts. Le premier dunk, le deuxième. On survit de côté de Lindarang. Il y en a beaucoup de dégâts, il n'y a plus de mana maintenant du côté de Sword. Est-ce qu'on arrive à trouver un nouveau dunk? Oui. C'est le cas, mais le dot ne suffira pas. C'est Viper de l'autre côté qui est en train de cueillir 2 kills de récupérer dans 3 morts. Côté Hanwha, 2 pour les Griffins. Et ce sera un Sword qui va survivre malgré le dot placé sur lui. Ça joue à pas grand chose, c'était pas suffisant. Lindarang s'est un peu précipité sur son dernier dunk. Il voulait vraiment mettre le plus de dégâts possible pour essayer de trouver un reset de plus. Malheureusement, c'est vrai que sans cooldown, une fois que t'as plus ton Q, tu peux plus vraiment sustain. Et très très bon travail de la part de Viper qui trouve énormément de dégâts sur cette phase de jeu. C'est dommage hein, ce cocon de la part de Sangwan. Ouais. T'as raison qu'il arrive à mettre quand même 70% HP à Elise. Le taunt qui passe, mais c'est bien clean. C'est là, il est un peu overreact, j'ai l'impression, Lava quand même, d'être parti directement sur un ultimate pour essayer de trouver le burst sur une Lulu avec un Yasuo justement qui n'avait plus de summoner spell de disponible et qui a seulement un Zil, je crois, à ce moment de la partie. Ça paraît être un peu maigre, mais heureusement Lindarang est là. Pas arriver au moins à compenser. Ah, c'est pas passé loin quand même. Viper, les ouais. Sword. Viper 600 gold hein, qui a de gratter. Ça reste quand même malgré tout un Darius à 5-1 Trinité en poche. Il est actuellement le personnage le plus fort de toute la carte. Pas mal d'XP. Allez, maintenant il faut arriver à. C'est là-bas. Il faut arriver à temporiser suffisamment quand même pour laisser justement ce Yasuo monter en puissance. Il a encore un petit peu la ramasse là-bas. Il a du retard en termes de farm. Il a toujours pas récupéré son premier item. La bannière de commandement est sortie maintenant pour Azer. Il faut envoyer le Yasuo. Hein. Pour le coup, Yasuo est pas trop dérangé par le bannière de commandement. Heureusement, ouais, il faut envoyer le Yasuo sur la mid lane. On n'a pas le choix. Ce qu'on va faire, ça va quand même prendre un certain temps. On va même se prévenir un petit peu des dégâts. Je peux envoyer la bannière de commandement sur la tour, on n'a pas envie de perdre trop d'objectifs pour le moment. Après ils ont tout intérêt à conserver leur objectif pour justement essayer de power farm. Là on a de quoi temporiser avec le Darius, encore plus quand il a trace 5-1-0. Mais cette temporisation doit servir un seul but. Mettre Yasuo dans des bonnes conditions. Une fois qu'il aura 3 items, normalement il devrait assurer le DPS pour son équipe. Des dégâts constants pour son équipe. Et le roi de la faille qui va être engagé, Griffin. Ouais. On perd pas de temps, on a push la top lane, on a récupéré la first brick. Attention, par contre, c'est un philosophique en face. Ça peut être très dangereux ce genre de situation. Ah, mais est-ce que t'as vraiment envie de prendre ce fight face à un Horn et avec un Yasuo qui n'est pas encore prêt? Ah, mais il y a le TP pour Lindarang. TP pour Lindarang est disponible. C'est-à-dire que ce Darius est une menace actuellement. Oh, le cocon, par contre. Pas trop mal fait. Le full burst a cette Lulu qui pourrait tomber. Même pas dans la pièce arrière pour Razer. Et le double kill doit récupérer du côté de Yasuo. On enchaîne sur ce chaîne. Le dunk qui est placé pour Leader Hunk. Effectivement, un call risqué. Ce call héros de la faille. Magnifique travail de la part de Lava qui va complètement zoner les joueurs Griffin.
leur faire croire qu'il va agresser pour finalement relever son équipe grâce au air. Gap close et du coup isoler complètement une partie de la composition Griffin. C'était très très bien géré comme teamfight de la part des Hanwha. Après Razer quand même mais pas très vigilant puisque ses ultimates il avait quand même, enfin son ultimate il avait le temps de le caler ou au moins d'utiliser son flash pour arriver à sortir la tornade de Yasuo. Je suis assez d'accord. Mais c'est la tornade qui l'a condamné, encore ce cocon, bon le premier cocon, ok tu le récupères. Le flash in, l'exhaust. Ah y'a le silence, autant pour moi. Autant pour moi. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait absolument rien à faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que Fiddlestick finalement est aussi prisé ces derniers temps. Parce que quand tu arrives à toucher ton fear et après ton silence, bah il y a un CC qui est garanti pendant 5 secondes pratiquement. Très très long. 5 secondes où tu peux pas utiliser de summon spell ni de spell. Et en l'occurrence avec une synergie aussi bonne, un travail d'équipe aussi bon du côté des équipes, c'est mortel. Ouais. Pour l'équipe qui se fait avoir. Ça se voit deux fois que cette Lulu tombe avant même de pouvoir utiliser son ultimate. Et je pense que c'est bien vu d'apprendre possible justement cette Lulu, qui est le personnage qui porte le gros outil défensif en fait de la composition des Griffins. Alors certes, il y a le chêne, mais c'est pas pareil. C'est vrai que c'est toujours compliqué à voir quand même les silences, comme c'est pas très visuel par rapport à un stun ou à un bump. On se rend pas forcément compte, alors que c'est extrêmement fort évidemment au niveau de l'impact. Avec le résumé des kills du coup, tous ces kills récupérés par ce Darius. Oh là là. 6-1. On a énormément d'équipes de game avec des joueurs qui dépassent les 5-6 kills assez facilement. Maintenant ouais, bah en même temps ça bouge tellement, on a oui. 16 minutes de jeu, il y a déjà 14 kills. C'est vrai finalement on se plaint un petit peu de la méta, mais on n'a jamais eu une méta qui bougeait autant. J'ai l'impression. On peut moins être safe en fait, on a moins de champions. Bah y a moins de... Y a... Ouais. On a moins de champions qui vont scale en fait, on a moins de carrières qui sont là pour attendre un petit peu et temporiser pour wave clear de manière assez forte. Du coup on va plus chercher des escarmouches et comme en plus on joue des bruiseurs qui vont aller chercher des escarmouches, bah, on a plus envie d'aller chercher de l'agression. Sans compter la jungle en plus en qui plus, a été un oui. petit peu effectivement baissée en termes d'XP. Sans compter aussi les wards qui ont disparu de la jungle. Donc tous ces petits changements finalement ont amené maintenant à une dynamique de jeu qui est beaucoup plus agressive. Même si bon je pense pas que ça sera... qu'on recherche du côté de Riot, c'est le cas pour le moment. Et on va pas se plaindre. On va clairement pas se plaindre. Il y a du mouvement. Et voilà, on va voir les dégâts évidemment monstrueux du Darius. 7500, 4000 quand même pour Viper. On avance bien côté Hanwha. Évidemment qui poke, qui trouve beaucoup de dégâts aussi. C'est vrai qu'attends, c'est bizarre quand même cette rotation de la part des Griffins. Qui sont 3 au niveau de cette bot lane, donc directement on prend le call. Hein. On est contre un héros de la faille. On la pop directement évidemment cross map. Elle est perdue cette tour de goutte, c'est vrai qu'elle est complètement perdue, les Griffins sont à la bourre. Mais heureusement il n'y a rien à prendre derrière, hein. Heureusement pour Griffin, ils vont perdre juste une T2. Le timing n'était pas bon là par les Griffins parce qu'ils n'avaient rien à faire sur la bot lane, il n'y avait même pas de dragon à les récupérer. Mais ça aurait pu être pire, hein. Si on avait assuré le push au niveau de la mid lane, on aurait pu faire une rotation mid. Allez là quand même cette rotation, mais c'est vrai qu'elle arrive un peu plus tardivement, du coup du côté des Griffins on est en place maintenant. Le WFR Griffin n'est pas forcément ultra présent, on a qu'une Lulu. Et un Ryze, quel le Ryze, est-ce qu'il peut s'avancer le Ryze? Non, on va pas prendre de risque, hein. La tour maintenant est beaucoup trop low. Non, oh, c'est bien encore fait, la part de la mort. On a le temps de mettre l'ultimate pour cette Lulu, mais ça ne suffira pas. Trop de dégâts. Et toujours le Fiddlestick derrière qui peut mettre l'ultimate pour... Ah, il arrive par Razer. Ah, il arrive. Et ça m'embête quand même pour Razer parce qu'il avait une tenue de lane qui était tellement exceptionnelle face à Yasuo. Il a très très bien géré son matchup. Il arrive à faire beaucoup de dégâts sur Laval, forcé à la skill sous-tour, à avoir 25 CS d'avance. Pour finalement après se prendre toutes les tornades pratiquement et tous les contrôles adverses. Est-ce que justement une QSS serait pas une bonne idée là pour Razer? Est-ce que c'est pas le moment où tu te dis bon, petite QSS, j'ai des bottes de mercure mais apparemment ça ne suffit pas. C'est vrai qu'on a une équipe du côté des Griffins qui est full bottes de mercure alors qu'il y a quand même pas mal de dégâts physiques du côté des Hanwha. En fait les joueurs qui ont pas de choix, actuellement sont les joueurs qui font les dégâts physiques. Bah après ouais. C'est ça qui est horrible. Il y a trop de CC quoi. Il y a trop de CC et contre un Fiddlestick en général t'as pas le choix, c'est comme une Morgana, t'as pas forcément le choix. De pouvoir te passer des bottes de mercure. Et effectivement, juste face à une hélice pareil. Mais comme tu l'as dit, il y a beaucoup aussi de dégâts physiques. Et en l'occurrence, il y a un Darius qui est très énervé. Donc quand tu prends des bottes de mercure, c'est sûr que ça t'aide pas. Face à un champion qui a 6-1-2, qui a déjà récupéré Trinité et Sterak à 19 minutes de jeu. Tout va bien. Et ouais, celui qui est un petit peu en retard, relativement en retard, c'est Lava, hein, qui n'a pas forcément pu farm autant qu'il l'aurait souhaité. Grâce au très bon travail de Razer, si on en parlait en début de partie. Et je pense que ça illustre bien le fait que les Griffins voilà, sont à la base de gros joueurs de solo queue. C'est des monstres en fait, hein. Mécaniquement c'est pour ça que la tenue de lane je pense a été très solide de la part de ouais, Razer maintenant. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que dès qu'il faut commencer à mettre des rotations face à des équipes qui ont quand même maintenant beaucoup d'expérience, de la LCK, c'est plus compliqué, on a vu un petit erreur un peu naïve au niveau de cette bot lane.
l'agression à 3 joueurs bot alors qu'il n'y a pas de dragon disponible. Face à un héros de la faille effectivement qui peut être pop en cross map. Et c'est vrai que même la rotation mid lane, j'avais quelques doutes au niveau de la rotation mid lane, mais elle est bien passée. Donc c'est quand même 2 T2 qui ont été récupérés justement sur cette rotation douteuse. Et il va falloir temporiser maintenant, hein, c'est Viper qui doit monter en puissance. Malheureusement, il a dû partir sur un Shurelia sur Ryze, d'ailleurs c'est très atypique. Ouais, il y a le Shurelia aussi sur le Vladimir, c'est pas beaucoup plus commun, c'est un petit peu agressé. Oh, on y va vraiment. Tornade, il faut y aller avec qui derrière. Il n'y a pas la reine malheureusement. Et les Fidèles évidemment qui jouent avec le contre-coup de manière à pouvoir se tenir un petit peu, résister en tout cas. Et ça arrive de tous les côtés, hein, pour Anoa'. Ils ont pas le temps. Un joueur par accès tout simplement. Et voilà, une nouvelle T2 du coup qui est débloquée. 6 tours à 1 seulement pour Griffin. Et là je vois pas ce qu'il faut faire en fait pour Griffin. Il faut engranger du farm, il faut permettre à cette Camille au moins de récupérer sa trinité. Sauf que maintenant elle aura plus du tout de ressources au niveau de sa jungle. Puisque tout va être taxé normalement par Anoa'. Sous peu maintenant qu'on a récupéré la l'IE dans les Maniacio, ça va être catastrophique. Est-ce que ce serait pas le moment de swap les ressources? Non, que Razer touche moins de sbires pour que Tarzan en ait plus. Après ça veut aussi dire que ce serait forcément sur une lane où les Anoa'i ne mettent pas de pression, puisque la Camille doit s'avancer dans la vague de sbires pour pouvoir la last hit. Et ça évidemment ce n'est pas possible si tu es un Darius qui est juste à côté en train de te menacer. C'est sûr, avec une Camille, quand t'as pas de Sterak, t'es pas forcément très confiant face à un Darius. Et voilà, 7500 gold de retard maintenant, à 21 minutes de jeu. On va voir au niveau de cette top lane. Lulu qui compense un petit peu le manque de Sterak, qui fait un peu la même idée. Et c'est pas pareil. Oh, et en plus, justement, on en parlait de ce dragon de l'océan. Heureusement que Soraka a été ban. Oui. Darius, Vladimir, dragon de l'océan, Fiddlestick. On a du sustain absolument partout pour Anoa'i, sauf au niveau de cette mid lane. Du coup, il va falloir penser à un Morello, effectivement. Une marque du bourreau, quelque chose. Pour arriver à placer l'hémorragie sur les adversaires. Attends, pendant qu'il y a un décalage massif, il y a Sangwan par contre qui fait la défense. Il y a un dragon qui va faire son apparition. Quel dragon d'ailleurs? Dragon infernal? Je crois que ça va être un dragon infernal, ouais, tout à fait. Dragon infernal en place. Et regardez, justement, faire tranquillement, en fait. Ce dont je parlais, c'est maintenant les Anoa'i en fait ont le contrôle de la faille complète. Et donc du coup ils peuvent se permettre de partir en counter jungle et de sucrer un maximum d'XP, un maximum de gold aux adversaires. Et du coup pour Tarzan, bah, qui n'a pas encore fini sa trinité, regardez, il a juste récupéré maintenant un cristal. Bah, le cristal de Ruby qui ne suffit pas pour augmenter les dégâts de Camille évidemment. Non, et en termes d'HP aussi, ça reste assez maigre. On laisse même les golds du Carapateur vont à Lindarang. On l'a vu, hein, c'est 140 golds maintenant les Carapateurs. En gros, c'est un groupe. Un Carapateur maintenant, c'est vous dire à quel point c'est fort de les contrôler. Sans être non plus le camp le plus important. Et c'est un camp qui est tellement tellement game breaker potentiellement pour les junglers. Et une fois qu'il aura son visage spirituel, je sais pas s'il part sur un visage spirituel Lindarang, mais probablement il va être tellement dur à tomber, parce que finalement la seule source de dégâts physiques du côté des Griffins, bah, c'est cette Camille. Mais en l'occurrence, comme on a dit, bah, Camille est en retard. Il n'a pas forcément envie de partir en all-in sur un Darius qui a 6-1-2, qui a récupéré son Sterak justement, qui va prendre énormément de temps à tomber. Ouais, du coup ça va être bel et bien un visage spirituel. Oh là là, le sustain va être tellement fort. On commence à se mettre en place maintenant autour de ce Nashor. On a un téléport de disponible pour Lindarang. Mais on n'a pas de ward très intéressante à exploiter, pas de TP flank. J'aime bien ce que fait sans Lyon pour le moment, avec cet attrape-sort plus le Furelia. On a vraiment cette capacité à aller chercher en fait, à donner beaucoup de mobilité pour le Vladimir et aussi pour le Fiddlestick à côté. Alors on n'est pas du côté de Razer, on va prendre l'information. Quoique, non, c'est pas avancé, il a juste mis une ward à l'entrée de sa jungle. Mais pas assez deep pour avoir l'information sur le Nashor. Il va tomber ce Nashor malheureusement. Les Hunts qui peuvent pas du tout s'avancer. Et on a en plus le Fiddlestick qui zone. Oh, il faut se dépêcher. 2000 HP, l'arrivée de Viper maintenant avec l'ultimate. Il peut temporiser du côté de Fiddlestick. Les sont bons. Est-ce que ça peut suffire? Peut-être sur les Hunts. C'est bon, ça va toucher. À l'avantage de Lava par contre. Lava qui n'a que 300 HP, ça va être compliqué. Est-ce qu'on va aller chercher quelque chose de plus? Peut-être sur Sword. Sword qui va tomber. Et Lindarang qui va aller chasser au maximum. Oh, les dégâts sont massifs. Et justement, on en parlait de cette Camille qui va rencontrer un Darius qui s'est pris midlife avec une auto-attaque. Mais il a même pas air comment il a mis full stack. What?
Il y a déjà peut-être des stacks sur Tarzan, j'avais pas fait attention. Il a, ouais, il a tué quelqu'un, ouais, effectivement, il a récupéré ses stacks, le Darius. Mais ça reste complètement insane. Et voilà, maintenant l'IE qui est en poche pour Lava. Bah, je pense qu'on est on est en place, on est clairement en place. Ah oui, c'est compliqué. Hein. Et regarde à quel point ça s'est joué de peu. Hein. Le smite de Sangwan à 50 HP près. Et heureusement, il n'y avait aucun DPS de la part des Griffins. Il pouvait pas s'avancer malheureusement. Et qui est à la bourre? Qui est à la bourre, mon cher Tech? Terrazer. Oh là là, 453 points de dégâts. Non, mais il avait tué personne à ce moment-là. Si. Non, finalement, il avait tué personne, ouais, effectivement. Bah, il fait juste très mal. Bah, en même temps, c'est une Camille sans ouais, HP. Ouais. Mais il a vraiment. Genre, il lui a incendié tous les stacks. Après, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas suivi dans le type assez possible. Il a 3 levels d'avance. Ah oui, bah, c'est une Camille qui n'a pas le Stera, qui n'a pas d'HP, qui n'a toujours pas fini sa Trinité. Donc, est-ce vraiment étonnant? En tout cas, on approche maintenant de 10 000 gold d'avance. À 25 minutes de jeu, la bannière de commandement là qui va pas suffire hein, à stopper l'agression de l'Asio, patron. Belle tentative, cela dit, de la part de Lulu. Allez, du coup, du côté de Tarzan, on est obligé d'aller chercher le plus vite possible sa Trinité. Du coup, on a skip le Tiamat. Et ça va énormément réduire la capacité de split de cette Camille. Il n'y a pas de défense, les dégâts sont beaucoup trop conséquents. Ils vont compenser un inhibiteur contre une T1. Évidemment, le trade n'est pas du tout rentable. Bon, si on peut chercher la T4 en plus, c'est pas trop mal fait. Allez. Lava qui met de la pression, intervention de la part de qui? Le fire qui ne suffira pas. Et l'ultimate de Fidel qui sera juste là pour zoner. Oh là va, quoi qu'on arrive à trouver le beurre finalement sur Ryze. Est-ce qu'on a les dégâts qu'il faut? Lindarang qui arrive à ramener deux joueurs, le premier dunk qui est passé, le deuxième directement cette Camille qui n'a pas déjà battu en flash in de la part de Sangwan. Quoique. Quoi qu'il va y aller. Ah non, le grab qui passe pas. Il n'aura pas finalement pas de triple kill pour Lindarang. Nexus qui tombe à 26 minutes de jeu. Quelle boucherie League of Legends maintenant. Et ces Xtrox Tigers qui montrent un petit peu comment est-ce qu'on joue maintenant sur League of Legends. C'est très simple, on donne des ressources à un Darius et on le laisse se balader. Avec un Darius clairement énervé et une Camille qui a peiné à trouver des arguments aussi en early game, d'arriver à faire des ganks. Alors que finalement, Bana Elise, j'étais un petit peu sceptique. Mais tous les cocons ont été exceptionnels, tous ses déplacements ont été bons. Il a été très très bon Sangwan, notamment sur le early game où on peut se laisser dépasser par une Camille en étant une Elise honnêtement. Parce que dans les situations de 1v1 notamment, si on rate le cocon, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans la première situation de 1v1 où vraiment la Elise et la Elise se sont rencontrés. Mais malgré ça, il a toujours réussi à être mieux sur la carte, à mieux bouger, à être notamment ce premier gank au niveau de la top lane qui commence à mettre en place le snowball de Lindarang. Et Tarzan qui reste quand même le joueur star de cette équipe Griffin qui n'a pas réussi à trouver la solution. Non, c'est vrai que c'était compliqué après. Avec la mid lane, là, il va falloir faire attention du côté de Razer. À pas se faire trop attraper. Beaucoup trop de CC là qui ont été pris. Ce qui a un petit peu condamné finalement le reste de l'équipe. Parce que finalement quand tu prends une Lulu sur la mid lane, t'as quand même besoin qu'elle justement se mobilise pour aider ses coéquipiers. Ouais. Et c'est non l'inverse. C'est pas aux autres d'aider la Lulu. Et donc en l'occurrence, une Lulu qui peut pas se rendre disponible, c'est un point mort. Et pourtant, on revient encore sur le début de phase de lane de la part de Razer, mais il a très très bien joué le coup, ouais. Il a réussi à complètement deny ce Yasuo. Il était en permanence en train de voir où est-ce clear sous tour. On a même vu en fait ce Yasuo qui était obligé de mettre des Q-spells hors de la vague de sbire juste pour être sûr d'être sous tour et ne pas se faire zoner au niveau de la vague de creep. Tous ces éléments qui auraient normalement pu apporter un avantage à Razer. Mais toujours ça se joue sur un petit détail sur la jungle, c'est-à-dire Tarzan qui passe, qui vient protéger sa Caitlyn, sa Lulu, qui est obligé avec sa Camille de revenir au niveau des Corbins pour ne pas perdre trop de retard en termes de farm. Et c'est cette opportunité-là que saisit Sangwan pour aller trouver le gank. Et à chaque fois, ça a été ça. À chaque fois, c'est Sangwan qui trouve le petit détail, la petite erreur. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une erreur de la part de Tarzan? Le timing, en tout cas, qui est laissé pour compte. Sûr qu'on n'a pas été vigilant par contre au niveau de la top lane. Parce que c'est vrai que c'est très très embêtant pour un Horn quand même de passer derrière un Darius. On connaît évidemment le snowball d'un Darius, ça a été très efficace. Mais en tout cas, une belle game de la part des Hanwha Life Esports. On va voir si les Griffins arrivent à prendre leur revanche et peut-être à égaliser sur ce BO3. Mais ce sera après une courte page de pub. A tout de suite.
Et nous sommes de retour pour ce deuxième BO3, deuxième game Griffin contre Hanwha Life Esports. Première game remportée par l'équipe ex-Rock Tiger avec une composition, écoute, assez énervée, avec un Darius notamment sur la top lane. On a réussi à faire snowball ce Darius, ce sera un très très gros travail de jungle au niveau de Sangwan. Cette hélice qui était toujours au bon endroit au bon moment et qui a pu apporter eh bien, ce petit supplément de dégâts pour ces lanes. Mais finalement, depuis le début là, des games qu'on a commenté aujourd'hui, on a eu une game qui était carry par un jungle, Maître Yi. Ouais. On a une deuxième game qui était carry par un Lucian. Non, la deuxième game, c'est Yann qui prend le MVP sur la deuxième game. Yann a pris le MVP, il jouait quoi déjà? Il était sur la mid lane, il avait... Non, mais plus qu'il avait. J'ai mis un plus, tiens. En tout cas, Lucian a bien pris le relais après derrière. Ouais. Et là, cette game-ci, on a eu un Darius qui a carry. Sur la donc top finalement lane. On a eu sur la top lane effectivement. Donc on a eu 3 lanes qui ont pu carrer la game. Voire même 4 si on compte la mid lane du coup avec Yann. Et je me rappelle plus ce qu'il jouait. C'est vrai qu'on est sur une méta où toutes les lanes sont capables d'aller carry. Et ça honnêtement c'est plutôt présent. Oh là c'est là plutôt plaisant à voir. Oh, j'avais pas vu que l'ultimate de Ki avait été casté au corps à corps vraiment. C'est une ulti quand même de la part de ce Fiddlestick je trouve. Et là ils ont juste besoin de regarder Lindarang. Ah si, il avait mis son R sur le horn Lindarang. Ah oui. Mais oui. C'est pour ça qu'il a trouvé autant de dégâts sur Camille, ok. On n'avait pas vu ça. Et après c'était juste la boucherie hein. Ça commence à... Et boum. Et voilà les dégâts monstrueux évidemment de Darius. 14 305 points de dégâts. Vladimir juste derrière, 8200, enfin juste derrière, loin derrière finalement. Quasiment à moitié moins de dégâts, mais ouais. Effectivement, on a a priori un Lindarang qui devrait prendre son MVP. Logiquement, ouais. Justifié. Et bien, c'est Hanwha qui commence plutôt bien leur arrivée du coup en Corée. Hanwha qui est, je crois, une marque d'assurance coréenne, donc dans la tradition en fait. D'avoir des entreprises qui investissent dans l'e-sport. Le voilà, Lindarang. J'aime bien le reveal yourself. Je suis derrière juste. Très bien. Eh bien, je n'irai pas te déranger. Et en tout cas, on voit aussi que le pic de Tariq est extrêmement fort hein, parce qu'on a vu donc première game, du coup, tu peux arriver à l'associer avec n'importe quand. On l'a vu notamment évidemment avec un Maître Yi. Ça a très très bien marché, mais j'imagine que ça marche très bien aussi avec un Darius et un Xin Zhao si on fait justement la stratégie de mettre le Tariq mid lane, de partager justement les ressources. Mais ça a été ban du coup à cette game-ci. Est-ce que ça va être ban encore du côté de l'une des deux équipes ou est-ce qu'on va prendre le risque de le laisser? J'ai l'impression que c'est l'un des meilleurs picks en fait dans la méta, tout simplement parce que son invulnérabilité que propose son ultimate le rend trop fort quoi. Surtout sur des teamfights en fait où personne se fait burst trop vite, en tout cas quand t'es devant en fait, donc quand t'as l'équipe du Tariq, puisque normalement la faiblesse de Tariq c'est que ça met 2,5 secondes à tomber, et du coup pendant 2,5 secondes tu peux peut-être aller choper la cible, mais souvent quand tu joues avec un Tariq, bah, en fait tu joues des équipes qui sont relativement tanky, ou alors des champions qui peuvent avoir cette capacité justement à temporiser, avec le Master Yi évidemment et le Q-Spell, ou un Darius qui est juste trop tanky en fait pour se faire, faire one shot en 2 secondes 5. C'est vrai que ça peut être très très dangereux, ça m'étonnerait pas de voir du permaban sur le Tariq. On n'a pas eu encore beaucoup de bans sur Brand et Zyra par contre, ils sont aussi des champions assez versatiles finalement. Ouais, ma grande surprise, effectivement, ça n'a pas été ce qu'on plébiscitait. On favorise plutôt Fiddlestick du côté des équipes, notamment pour sa mécanique évidemment de CC à long terme, que ce soit avec le Fear juste derrière connecté avec un silence, qui peut toucher en plus, qui peut rebondir sur plusieurs cibles. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a un peu redécouvert le plaisir de l'impact des silences dans les games. Oui. Avec justement les Soraka hein, qui étaient revenus en masse quand même sur le patch précédent. C'est les silences qui étaient dévastateurs. Des silences. Bah, y en a deux. Il y a Fiddle, Shogat et Soraka. C'est tout. C'est vrai qu'il y en a plus beaucoup. Hein. Il y en a plus beaucoup, non. À une époque, il y avait des Leblanc, des Kassadin, mais bon, c'était quand même très frustrant. Je c'est toujours embêtant quand même en tant que commentateur parce que tu ne vois pas forcément le silence. Donc du coup, tu te demandes, mais attends, mais pourquoi il a pas flash alors qu'en fait, il pouvait juste pas, parce que le silence est une mécanique aussi très 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 forte sur League of Legends. Ouais, il y a toujours les barres de contrôle au-dessus, mais quand le personnage fait slow en plus, il pense que c'est un slow, etc. Donc c'est vrai que c'est pas forcément très lisible. Mais bon, c'est vrai qu'on en parlait un petit peu pendant la pause, le fait qu'il n'y ait plus d'AD carry. Du coup, on a plus des teamfights qui se basent sur les auto-attaques, qui sont assez discrètes finalement. Ouais. C'est plus des gros sorts et du Vladimir, du Ryze. C'est bien un peu plus explosif. Explosif.
C'est le mot. Oui, là pour le coup, explosif. C'est clairement le mot. Et c'est pour ça d'ailleurs que les champions, bah, comme Horn aussi, sont autant publicités. Oui. Hein, parce que voilà, par ses capacités engage, à mettre des bumps. Je sais que Maokai aussi a été énormément joué en solo queue. Mais on l'a pas encore vu finalement à ce niveau pro, enfin niveau compétitif. Bah là, on attend dans tous les cas le Galio, Horn, Yasuo. Bon, ouais. Horn, Yasuo avec un Alistar éventuellement et. Tu touches jamais le sol en fait. Tu peux pas toucher le sol, c'est impossible. J'ai rencontré une fois une composition comme celle-ci, je n'ai jamais pu toucher le sol. Je savais pas. Bah pas, apparemment Lucien et Lucien est un personnage volant. Oui, ah bah ça pour le coup. Ouais. Je l'ai découvert dans une game. Et c'est vrai. Bah si vous arrivez sur League of Legends et que vous avez passé les deux derniers mois à vous traîner sur la Décari, eh bien RIP. Puisque ce n'est plus vraiment les classes entre guillemets viable du jeu. J'aimerais bien voir quand même un pick de Kai'Sa. Kai'Sa pourrait. Quand même un champion comme Kog'Maw. Enfin, je pense que tous les champions Ginzu ont quand même un gros impact dans la game. Ah, je pense que c'est plus compliqué pour les champions comme Kog'Maw, comme Varus par exemple. Kog'Maw serait un peu trop dur, ouais. Qui sont quand même très statiques. Trop et on statique. Voit que. Ouais. En face, il y a quand même beaucoup de champions qui ont énormément de dash. On a vu la Irelia, du Yasuo, ce genre de choses. Ce sont des champions qui sont impossibles. Déjà, c'est, déjà même quand t'es Aizreel, c'est très compliqué à Kai, voire impossible. Alors quand t'es Kog'Maw, c'est même pas la peine d'y penser. Et le Taric, tu en parlais, qui va être instantanément ban en blue side pour les HLE. Life is Sport, ex Rock Tigers. Un rebrand de Rock Tigers, ça reste même équipe. Ban du Fiddle Stick, finalement. C'est vrai qu'il a été ultra plébiscité. On a vu un. Quasiment tous les games, finalement, le Fiddle Stick support. Ouais. Ouais, c'est fort. C'est très très fort. Voilà, comme attendu, Taric est enlevé, Pyke est enlevé aussi. Ça fait deux fois d'ailleurs qu'il prend un ban dans ce BO. Ouais, c'est fort aussi Pyke. Hein. C'est vrai que c'est un jeu qui est très fort. En fait, c'est un support qui peut générer autant de gold pratiquement qu'un carry. Oui. Bah, le fait que chaque kill rapporte 600 gold à ton équipe au lieu de 300, c'est quand fort. Même pas mal. Et en plus, c'est un champion qui alors. Et il a une. C'est un wave clear qui est relativement faible, c'est-à-dire qu'en jungle, c'est difficile de tenir la parvel avec des gros jungler ultra farmers, mais ça pourrait. C'est un kit où tu te dis, mais ça pourrait complètement aller dans la jungle avec l'invisibilité, avec le dash, ouais. Le contrôle que ça apporte, les gros dégâts aussi. Mais après, c'est trop fort en fait en tant que support, parce que tu l'associes justement avec n'importe quel autre champion. Démon de Kaiser, pourquoi pas d'ailleurs, au niveau de la botlane, oui. Ça marche très bien avec Pyke. Et après, t'as une batterie de contrôle en fait qui est complètement insane. Sans compter ton invisibilité, t'es quand même très très dur à attraper. Tu peux faire des pick-up de très loin. Et les engage aussi, tu peux éventuellement, si t'arrives à bien maîtriser ton dash, engage sur plusieurs personnes. Ouais. Donc c'est un personnage qu'on respecte hein, du côté de la LCK. On parle d'engage, pas de Rakan non plus du côté des Griffins. La Tata qui sera retirée pour Ian One et on va aller chercher du coup le first pick. Alors est-ce qu'on va aller chercher le Karthus qui a été ultra first pick sur le premier BO. Mimikyu qui ont essayé en tout cas d'en abuser. Et ça, ce sera la Irelia finalement. Ouais, tu peux pas la laisser passer hein. Ah oui, c'est Yann, il jouait Irelia. Exact, exact, Yann jouait Irelia. Maintenant, sur la mid lane, mais il jouait Irelia. C'est sur vrai. La mid lane, ouais. Et là, à mon avis, ça va être aussi une Irelia sur la mid lane, hein, à mon avis. Ça pourrait, pour Lava. Il vient jouer un Yasuo, il passe sur une Irelia, on change pas vraiment le style de gameplay. Continue sur le Shen aussi, Shen qui est publicité par les équipes. A raison. Oui. Parce que justement, de pas pouvoir se faire auto-attaque. Sur sa zone, ça le rend quand même très fort, sans compter le shield, plus le taunt. Quand tu joues contre des champions à base de Master Yi, de Irelia, ce genre de choses, qui ont quand même tendance à vouloir mettre des auto-attaques. Exactement. Et après, sans compter le shield et le taunt, un CC supplémentaire. Le Yasuo qui va être validé aussi pour Griffin. Donc, est-ce que... Faut se méfier, hein. Ça pourrait être la duel lane des Griffin, honnêtement. Mais ça peut aussi complètement swap. Avec un Yasuo sur la mid lane. Je pense qu'il est soit mid lane, soit au poste de farmer bot lane. Et du côté de la réponse, du coup, le Vladimir qui devrait aller, lui, au poste de farmer bot lane, joué par Sanghyun. Et peut-être prendre le support tout de suite. Pourquoi pas une Zyra? C'est vrai que Zyra Vladimir, ça peut être très compliqué à gérer au niveau de la bot lane. Capacité d'engage et d'AOE assez violente. J'arrive pas à Tech, j'arrive pas à savoir ce qu'ils vont prendre les équipes. Ça sera en train de duel, peut-être probablement dans la jungle. Les pronos sont tout simplement impossibles. Il y a tellement de picks possibles maintenant.
Ouais, et puis on n'a pas encore eu vraiment le temps de voir la méta évoluer en fait. Parce qu'apparemment même des Wukong ça marche maintenant, donc oui. Tu peux absolument tout prendre. Wukong qu'on voit en botlane pour le coup, botlane farmer. Tu peux absolument tout prendre. Allez, on va voir ça en tout cas. Trundle qui est validé, ça c'est sûr et certain, ça sera dans la jungle. Apparemment il n'y a pas de doute. Sauf s'il met support. Sauf s'il le met support, mais bon, ça fait longtemps quand même que ça a disparu. Des rangs de la botlane. Et les Nocturnes qui sera disponible pour les Griffins, il avait été ban de la phase précédente. Nocturne qui a cette puissance de one shot. Maintenant, est-ce que tu peux vraiment aller one shot sur du Trundle, sur du Vladimir ou sur de la Irelia? Je suis pas forcément sûr que ce soit si bien que ça. Ce Nocturne qui devrait quand même être dans la jungle, je le vois mal être sur une lane. C'est assez compliqué de lane avec un Nocturne. Je sais qu'il y a eu quelques cheese de Nocturne top lane, mais pas le. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est tellement fort dans la jungle, ça perd pratiquement pas d'HP grâce à son passif. Et là en l'occurrence, la synergie qu'elle va trouver avec le chêne va être très fort pour les escarmouches. Oui! On va pouvoir faire beaucoup de pick-up. En tout cas, on enchaîne au niveau des bans. Gragas Alistar qui est enlevé pour les Griffins. Karthus supprimé pour Anois. Et le dernier, est-ce qu'on continue de ban des dégâts magiques? Sachant qu'on n'a toujours pas récupéré de dégâts magiques pour les Griffins. Et je pense pas qu'on prenne ce risque du côté de la LCK. Et pas partir justement sur des dégâts hybrides. Avoir autant de dégâts magiques que de dégâts physiques. Alors on va ban le Darius. Et c'est le Darius. Pas laisser Sword être trop facilement dominateur. Niveau son matchup top lane, ça voudrait dire qu'on devrait, je pense, viser le Horn pour les HLE. Sauf si Viper le pique pour Sword maintenant. Non. On va retourner sur le Ryze, probablement bot lane du coup du côté de Viper. Ça avait plutôt bien fonctionné sur lui. Enfin, on a vu quelques bonnes phases de jeu de sa part, même si ça n'avait pas permis de remporter la partie. Et là, c'est Lulu. Hein. Pourquoi pas faire un Yasuo Lulu au niveau de la bot lane pour les Griffins aussi. Lulu pourrait être intéressant. Une bonne synergie entre les deux personnages. Le Brome. Honnêtement, vu les compositions d'équipe avec énormément de joueurs mêlés, je me dis pourquoi jouer Brome quand tu peux jouer Sejuani. Après tout, est-ce que tu peux le mettre en rôle de support? Ouais, c'est Johnny aussi. Ouais. Et comme tu lane avec un mêlée, du coup tu peux vraiment profiter au maximum du passif de la Sejuani. On va jouer avec un support un peu plus agressif. Leona potentiellement du côté de qui? On a vu la puissance que pouvait avoir une Leona. C'était jouer avec un Lucien qui a du coup une grosse synergie de follow-up sur les engages de la Leona. Je pense qu'un GP peut être intéressant aussi, mais un GP ça va être peut-être un peu plus de temps à se mettre en place. Et finalement, ce sera cette Janna. Et en voyant les bans des Griffins, je me suis posé la question, est-ce qu'on n'ira pas une Janna qui pourrait arriver? Parce que ban du Gragas, ban du Alistar, tous ces champions qui sont capables de disengage en fait, ouais. Face à un combo chaîne nocturne, la Janna peut être intéressante. Maintenant, la Janna a quand même ce gros risque de se faire potentiellement one shot. Et la réponse des Griffins, ce sera cette Soraka. Donc alors, Vladimir Janna au niveau de la botlane pour HLE. Ce sera plutôt une Irelia. En tout cas, les HLE s'illustrent à chaque fois par beaucoup de sustain dans leur composition d'équipe. On l'a vu à la game précédente, justement, à Vladimir et un Darius. Cette game-ci, on a un Vladimir, un Trundle et une Janna avec sa mousson. Est-ce qu'on pourrait pas... Ils ont pick dans l'ordre, les Griffins. Ils ont pick dans l'ordre? Non, ils ont swap entre... Ah, entre Yasuo et Nocturne. Et Nocturne, ouais. Et voilà, effectivement, ça va être Vladimir en botlane hein, pour HLE. Pas de surprise. Je pense que c'est stimulant quand même pour les coachs de jouer sur cette méta. Parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir en fait. Bah, il y a beaucoup de choses à faire, je pense, maintenant. Hein. Là, on voit que le haut de l'iceberg en réalité. Le patch est sorti depuis peu. Ouais. La compétition a repris depuis encore moins de temps. Donc, finalement, là pour le moment, on joue avec ce qu'on connaît, mais. Demain et après-demain, on va probablement découvrir plus qu'hier. J'avais essayé de demander des infos, notamment des insights de la part de Zab, qui est en train de se hard train pour essayer de commencer le split NA qui commence samedi. J'ai pas encore eu de réponse. Alors, est-ce que c'est le secret des scrims ou est-ce que juste forcément avec le décalage horaire, il n'a pas encore eu le temps de voir le message? Mais je serais assez curieux de voir en fait. Ou même lui, il n'a pas la réponse, ça se trouve. ce qui est aussi complètement possible. J'avoue que j'attends de voir un petit peu à quel point. En fait, il va falloir avoir quelques matchs pour comprendre un petit peu ce qui se passe et ce qui marche le mieux.
Et pour le moment, ceux qui ont le plus d'échantillons, tout simplement, c'est les joueurs pro qui ont eu l'occasion de énormément spammer la solo queue et surtout de faire des scrims. Surtout les scrims, évidemment. Il va trouver la synergie, effectivement, entre les joueurs. En tout cas, on va rentrer dans cette game dans 3 secondes. La scène est vraiment très très propre quand même de la LCK. Hein. En tant que spectateur, c'est quelque chose. Et les fighting qui sont lancés dans la plus pure tradition coréenne. Les premiers échanges qui ont été mis en place. Pas trop de dégâts positionnés, juste une auto-attaque ou deux sur Sanglyun. Ça me l'a dit Mia, pas trop de soucis. Ça va être énervé sur la mid lane entre Irelia et Yasuo. Oui. C'est un match-up qui s'annonce très dynamique. Double Ignite sur les midlaners. On va faire attention à pas faire trop d'erreurs. Sinon l'un peut snowball sur l'autre à mon avis de manière assez énervée. Au niveau de la top lane, c'est Shen Gangplank, l'avantage est pour Lindarang. C'est intéressant ce qu'on fait les supports. Notamment le travail de Ki. Il faut vraiment assurer le fait de protéger sa jungle au maximum, c'est-à-dire qu'on commence avec le sweeper, on sweep la ward positionnée par la jungle adverse, puis on back et on va récupérer quand même le totem de vision qui permet d'assurer au moins la protection de la lane sur les premiers niveaux. J'aime bien ce que nous propose Ki, cette phase de jeu. Léon qui a fait pareil, mais lui qui a plutôt récupéré le sweeper ensuite. Allez, un petit point au niveau des masteries sur la mid lane, c'est précision et volonté bien entendu. Au niveau de la top lane, du côté de Lindarang, on va jouer très agressif avec une kleptomancie et sorcellerie. On n'a pas spécialement peur finalement du match-up contre le Shen, donc pas de point de l'immortel. On est confiant. Et attention, le premier gang de la part de Songwan. Au niveau de cette bot lane, on est level 2, on a le pilar maintenant de disponible. Et on va faire all-in directement sur Leant qui est beaucoup trop avancé. Il est bien ce pilar de la part de Songwan. Il est très très bien parce que du coup ça prévenait à la fois un saut sur Viper et en plus on empêchait le flash out potentiel de cette Soraka. C'est évidemment la faiblesse de Soraka, c'est un champion qui est très statique, qui est certes ultra énervant. Ouais, c'est très statique, mais tu veux mettre du rythme absolument avec Soraka. Ouais. Donc t'es très avancé sur la lane en général pour arriver à trouver ton poke. Ça c'est une erreur que beaucoup de joueurs de Soraka font en découvrant le personnage et en se pensant que je suis un bot à heal et du coup je vais jouer derrière. Alors qu'en fait pas du tout. Hein. Le Q-spell de Soraka est une énorme et source de la race. Et le silence. Et le silence aussi. C'est d'ailleurs maintenant que tu maxes le silence. Ah oui, carrément ça maxe le silence. Max le silence, ouais. C'est horrible. Ouais. J'en souffre à chaque fois que je rencontre des Soraka. L'Aerie, en fait, le silence est en instant. Tu peux vraiment positionner l'Aerie, mettre beaucoup de poke à très longue distance. Et c'est vrai que tu peux pas le dodge en fait, le silence. Tout à fait. Et allez, en tout cas, petit match-up mécanique au niveau de la mid lane. Je suis curieux de qui va prendre l'avantage sur l'autre. Sachant qu'on a vu tout à l'heure justement. Ah non, d'ailleurs, Razer a été remplacé. Autant pour moi, on l'a pas souligné, Tech. Oui. On va le faire jouer Chauvy du côté des Griffins. A raison, avec sa Lulu, c'est vrai qu'il nous a pas spécialement convaincu à la game précédente. Et pendant qu'il y a un gang de la part de Tarzan au niveau de cette top lane, le taunt qui va passer. On va essayer de trouver des dégâts peut-être de la part de Lindarang. Est-ce qu'on peut trade au niveau des creeps? Il y a les sbires range qui tapent, mais non, ce sera un flash out. On se met en sécurité, on prend pas de risque. Je suis même étonné que Tarzan ait fait le grand tour autour de ce bloc de terre. Ah ouais. Est-ce qu'il aurait pas eu intérêt à bloquer vraiment la sortie de Lindarang? C'est pas bon. Bah évidemment, du côté des Runwar, on va tout simplement profiter de la présence du jungler en top side avec en plus ce first blood récupéré sur la bot lane pour récupérer un premier dragon infernal qui va être tellement important. Ouais, et en plus il est débloqué à 3 minutes 30, donc on va pouvoir s'assurer beaucoup de dragons éventuellement pour les Hanois. Pendant qu'on retourne peut-être un move au niveau de cette top lane, on va prendre le back, finalement on va jusqu'au bout. Lindarang qui ne fait pas avoir, il est level 4. Il a son agrume de disponible. Il a tenté le cooldown aussi de son trinket évidemment pour pouvoir assurer une ward et être sûr de ne pas se faire camper par Tarzan. D'ailleurs tempo mortel du côté du Nocturne. Beaucoup d'attaque speed. Plutôt que une électrocution par exemple qui peut être très intéressante. Ouais, c'est étonnant. De burst. Très étonnant, Tarzan. Peut-être qu'il s'attend pas forcément à pouvoir burst one shot quelqu'un. Du coup, il va avoir envie d'avoir un peu plus d'attaque speed. Est-ce que ça annonce du coup un Black Cleaver comme item pour Nocturne? Pour justement arriver à placer toutes les stacks le plus rapidement possible et permettre pas la suite à Chauvy de faire ses dégâts. Ouais, on va voir ça. Pourrait être intéressante, honnêtement. En tout cas, on commence à reprendre le contrôle. Là, du côté des Griffins au niveau de cette bot lane, le push est bon, le poke est continu.
Et le silence de Soraka, à mon avis, va être très très important pour les Griffins, justement pour arriver à cancel éventuellement Sanghyun, les poules de Sanghyun. Ça, c'est un sort qui est très très fort pour les champions comme Vladimir ou comme Irelia aussi. C'est des champions qui ont besoin d'utiliser leur sort à des timings assez précis. Et si t'arrives à la briser ce timing, bon, c'est compliqué. Très beau wall de la part de Chovy qui va cancel ce stun. J'avoue, je savais même pas que c'était considéré comme un projectile, le fait que les deux parties du stun se connectent. C'est comme un laser, ouais. Allez, Lava, au niveau de sa midlane, on va temporiser hein, pour Chovy, on va prendre de risques. On sait pas vraiment où se trouve Sanghyun pour le moment. On se doute qu'il est du côté top de la carte. Et là, pas plus d'informations, on va attendre tranquillement le farm au niveau de la tour. Le bac est mis en place pour Lava, il a récupéré les golds nécessaires à l'achat de la brillance. Brillance très importante pour une Irelia qui a besoin justement de retrouver le reset de dash et donc de trouver le kill, soit sur un creep, soit sur un héros. Ça lui permet de wave-clear beaucoup plus facilement, notamment sur les sbires range. Oh, ouais. Par contre, du côté des Daong, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas forcément énormément à stacker la cryptomancie pour le moment. Et il faut se méfier, une cryptomancie qui n'est pas mise à l'épreuve en début de partie. C'est un peu une maîtrise perdue finalement. Parce que bah, comparé à ce que peut proposer une poignée de l'immortel, quel que soit le stade de la partie, ou évidemment des masseries bien plus agressives comme l'électrocution par exemple, ça peut être beaucoup plus compliqué pour un GP. Le fait de ne pas trouver en fait un item d'avance sur son opposant grâce aux 500-600 gold récupérés par la cryptomancie, ça peut être délicat. Ouais, oui, il est sur Tarzan, il y a le barrage de plan, plus de grand plan, qu'on va se replacer, mais flashé de la part de Sanghyun, on va aller jusqu'au bout, l'ultimate de Sword qui a été lancé. Allez bien cette phase de jeu de la part de Sanghyun, elle est très très bien, on vient de forcer l'ultimate du Shen, c'est-à-dire qu'on libère énormément de phases de jeu potentiel sur la bot lane et en plus on permet à Lidarang de mettre du push et d'éloigner en fait ce Shen de sa propre lane. Et par contre de l'autre côté, Viper et Liantz, elle va à trouver une réponse, trouver beaucoup de dégâts là au niveau de cette T1. Je pense pas qu'on parte sur un all-in, voilà, on va faire un burst. Il y a HP supprimé, et un Sanghyun normalement qui devrait pouvoir assurer du sustain, voilà, avec sa transfusion. On l'a vu, hein, le combo cache de Ryze dans le silence de la Soraka. Ouais, c'est un combo qui est très très fort. Il arrive sur un bon push, hein, il y a beaucoup de dégâts finalement à chaque fois Viper. Hein. Il joue des trades très courts, dans tous les cas on a du heal. Oh, mais il y a ça aussi qui marche. Et oui, parce qu'il y a aussi une électrocution du côté de ce Vladimir. Wow. On a tellement l'habitude de les voir avec des prédateurs, les Vladimir. C'était tellement rapide au niveau des mécaniques. En termes d'exécution, c'était quand même assez propre. Parfaitement réalisé par Sanghyun. On charge la vague de sang sur le timing de fin de la super transfusion. Flashy la vague de sang, transfusion, ignite, tout part en même temps. Et la Soraka qui ne peut absolument rien faire. Il a quand même eu le temps, et ça c'est quand même impressionnant, Leons a eu le temps d'appuyer sur le heal. Et sans l'ignite de Sanghyun, je pense qu'il pouvait s'en sortir potentiellement. Il peut se rattraper peut-être. Ouais, il faut être vigilant hein, quand tu joues Soraka. Tu as perdu des HP. C'est très bien que contre dégâts magiques, maintenant tu vas te prendre un burst. Maintenant le seul carry AD finalement qui reste pour arriver à burst de manière conséquente, bah c'est Lucian. Oh. Ouf. Ça pourrait être dommage quand même pour Tarzan, perdre un carapateur. Ça s'est joué quand même. Et finalement sur la midlane n'arrive pas à prendre un avantage conséquent, d'un côté comme de l'autre. On va avoir du coup le one burst de la part de... Oh d'accord, on a pris juste une auto-attaque. Ah ouais, il a pas hésité hein. Waouh. Il connaît parfaitement les dégâts qu'il fait avec Vladimir. Et malgré le heal, c'est ça. Moi je trouve ça fou, je trouve que ces carry AD sont vraiment bons sur leur champion à dégâts magiques. Je suis assez d'accord. Après bon, ça reste aussi des joueurs qui ont, je pense, suffisamment joué à League of Legends pour jouer à peu près tous les rôles. Ouais, certes, mais bon, mécaniquement, normalement, t'es pas forcément aussi bon qu'un midlaner qui a spammé des games avec Ryze et Vladimir. Je suis complètement d'accord. Mais là, en l'occurrence, je trouve que Viper et Sanghyun, voire même tous les joueurs qu'on a vus, ont été excellents sur leurs champions respectifs. Il m'impressionne quand même, ces joueurs. Comme quoi, l'oxy droit, c'est pas forcément une mécanique qui est si gratuite que ça. Et d'ailleurs, voilà, peut-être en parlant de clic droit, est-ce qu'on peut arriver à bout de cette T1? 4 auto-attaques devraient suffire du côté de Ryze.
On se méfie. Sangwan peut-être essaye de battre. Est-ce qu'on va dire un bait qui est possible là-bas? J'aime bien comment là-bas essaie de bait. C'est-à-dire qu'il se rapproche. Il est juste à portée voilà, de ce Yasuo. Je peux de la part de l'aérial. L'intervention du Nocturne. Oh, il a trouvé. C'est très très bien joué de la part de Chevalier. S'il tombe derrière, on va quand même pouvoir trade kill. Et il a trouvé quand même son bain un peu. Yasuo, ça s'est joué quand même de peu. Et finalement, il a fait suffisamment de dégâts. Je sais pas à quel point. Ah, c'est compliqué ça, Tarzan. Oh, il a peut-être été un peu trop loin, Tarzan. C'est peut-être compliqué ça. Attention, la part du chaîne. Est-ce qu'on peut se retourner, aller chercher quelque chose? Le tir de qui? Mauvais côté, Sangwan. Il aurait dû rester à côté de ça. De ça, Janna. Il y avait l'ultimate. La mousson de qui, je pense, aurait pu sauver son jungler. Et Sangwan qui a préféré se séparer, s'éloigner en fait de la Janna pour éviter le potentiel double taunt. Et tu en parlais justement, la tenue de lane de ces griffins qui viennent de Challenger Series, fraîchement qualifié du coup en LCK. En LCK, ouais. Et faut avouer, bah, mécaniquement c'est propre ce qu'ils nous proposent, ils ont une très très bonne tenue de lane. La bot lane, Viper et Elian ont réussi à récupérer la T1. On arrive à trouver des décalages, les fights aussi sont bons. C'est plus tard que c'est problématique, c'est au niveau des rotations. Ouais. D'arriver à défendre les T2. Une chose qu'ils n'ont pas réussi spécialement à maîtriser là sur la game précédente. Ouais, je pense qu'il aurait vraiment dû retourner directement, rester en fait dans la portée de heal de Sajana. Mais bon, c'est une petite erreur qui ne coûtera pas grand chose, je pense au Renroi. Allez, faut maintenant arriver à avancer au niveau des objectifs. Il y a quand même un dragon infernal là qui attend l'une des deux équipes. D'ailleurs cette fois-ci, pas de Turelia sur le Vladimir. Vraiment ce qui avait été fait sur la game précédente. On va plutôt aller chercher Attrape-Sort, peut-être premier item. Pourquoi pas. C'est vrai aussi qu'on n'a pas forcément un support qui a besoin d'avoir une mobilité supplémentaire. Contrairement à ce Fiddlestick qui aime bien avoir un petit burst de Turelia en plus pour pouvoir mettre l'ultimate à la bonne place. Et il y a un swap là qui est mis en place côté Hanois. On va mettre Irelia en top lane du coup face à Shen, Vladimir et Janna au niveau de la mid lane pour leur permettre éventuellement de faire des décalages au niveau des side lanes, et Gangplank qui va tenir en 1v1 le Yasuo. Le problème c'est qu'on perd le contrôle du dragon. Mais on perd le contrôle du dragon, ouais, effectivement. Un dragon de part et d'autre, un dragon infernal de part et d'autre. Et ça fait pas forcément les affaires des Hanois. Tout simplement parce qu'on a quand même du Yasuo, on a du Nocturne. Des champions qui bénéficient énormément d'une augmentation au pourcentage de leur AD. C'est aussi vrai pour Ryze évidemment. Cette Irelia qui est pas forcément très bien. Hein. On n'a pas encore complété la Trinité alors que ce Yasuo a récupéré son autre fantôme. Oh, ça va être dur, ça va rentrer le challenge. De récupérer ce héros de la faille à mon avis pour les... Pour l'Hanois, c'est un petit peu risqué. On a l'ultimate sur la dite de Janna, on peut temporiser. Mais voilà, on commence à se mettre en place. Les griffins, l'arrivée de Lindarang maintenant, elle engage. J'ai pas trop mal fait. Sort qui prend pas mal de dégâts, sort qui va pouvoir intervenir. Mais voilà, le clean-up proposé par Lava. Trop de dégâts sur cette Irelia. Et la fuite potentielle, ça ne suffira pas le stun. Oh, ce sera bien Juke de la part de Viper. Il s'y attendait quand même. C'était greedy hein, pour Lava là, d'aller chercher ce sur Ryze. Et un Viper du coup qui a pu conserver son flash. Le héros de la faille qui est placé instantanément au niveau de la mid lane. Il faut trouver la compensation. Supériorité numérique. Côté Hanois, on en profite. Et on avance. Je suis assez impressionné. Sangwen bon, qui est tombé. Il a régénéré quasiment 80% de sa barre de points de vie. Juste sur le smite plus la mort du héros de la faille qui évidemment grâce au massif du Trundle lui donne beaucoup beaucoup de points de vie. Trundle qui se soigne en pourcentage des points de vie des unités qui meurent à côté de lui. Il n'a pas eu le temps de lui mettre la soumission. S'il y avait eu la soumission, en plus, regardez les points de vie. Et regardez Tarzan aussi qui va prendre un baril. Et donc, du coup, à peine arrivé, il s'est fait découper. Ouais. Regardez les dégâts qu'il a pris. Il a perdu 40% HP avec un baril de Lindarang qui n'était même pas destiné sur le Nocturne. Et après, évidemment, il y avait juste juste un pick-up derrière. Il est beau quand même hein, ce Juke de Viper. Il fallait s'y attendre au stun à cet endroit là. Ouais, mécaniquement effectivement
Ils font des trucs sympas les joueurs. Et voilà, le manque d'expérience aussi des Griffin va parler un petit peu entre eux. Je pense qu'ils vont devoir effectivement les premières semaines après le sentir passer, voilà, c'est ça. Les premières semaines, voilà, c'est normal. Après, vu ce qu'ils nous proposent en termes de mécanique, en termes de tenue de lane, à mon avis, ils vont rattraper les autres équipes assez rapidement. Je crois qu'ils ne feront pas les erreurs justement de rotation ou de prise de fight peut-être un petit peu douteuses. Je pense qu'ils ont l'avantage maintenant qu'ils sont vraiment qualifiés en LCK de pouvoir plus régulièrement scrim contre les grosses équipes et du coup pouvoir plus facilement en fait affronter des équipes qui sont capables de mettre des rotations efficaces. Ce qui est très souvent la faiblesse des équipes de Challenger Series, c'est-à-dire un team play qui n'est pas forcément au summum. C'est compliqué pour sortir de défense cette tour. J'y crois pas trop là, la défense de tour de Shen contre le Irelia Trundle. Ah, évidemment. D'avoir réduit les stats de base pour les carriadés, ça les rend difficilement piquables maintenant. Et donc on favorise plutôt des champions qui peuvent aussi assurer un DPS constant, oui. Notamment par exemple des Yasuo, des Gangplank, des Irelia. Et qui ont évidemment des stats tout à fait correctes pour arriver à tenir leur early game. Des champions qui ont l'avantage d'avoir des dégâts de base suffisamment importants pour ne pas trop avoir de faiblesse sur moins d'XP récupérés sur la bot lane. Et une nouvelle fois, hein, la rotation des Griffin. Ils investissent deux joueurs là au niveau de cette top lane, Nocturne et Yasuo. Et donc évidemment de l'autre côté, bah, on arrive à trouver des réponses. Côté Anoa, une T2 qui est récupérée sur la bot lane, une T2 probablement qui va être récupérée sur la mid lane vu qu'elle a été déjà sévèrement grignotée par le héros de la faille. Est-ce qu'ils peuvent push à 5 maintenant? Ouais, je pense qu'ils vont y aller, hein. Ils vont pas hésiter, ils ont vu deux top lane en tous les cas. Ils voient encore Yasuo sur la top lane, ça a été ping d'ailleurs. Ils savent qu'ils sont en super haute numérique maintenant, ils sont déjà en place, ils voient Shen aussi au niveau de cette bot lane. Ils savent que l'engage en fait est pas possible pour les Griffins. Évidemment le Shen va rester sur la bot lane puisque Lil a un ultimate de disponible. Mais si Yasuo est en top, sans téléporte, y'a pas de risque. Ouais, c'est une T2 qui est gratuite. Le mec de Chovy qui finalement peut-être n'était pas si justifié que ça, ce back de la part de ce Yasuo. Est-ce qu'on n'aurait pas eu intérêt à essayer de prendre la T2 top lane et du coup d'essayer d'échanger une tour pour une tour avec la présence du Shen peut-être pour forcer la défense au niveau de la T2 mid lane. Après je fais peut-être des plans sur la colline parce que c'était pas forcément évident à prendre comme situation. C'est vrai qu'avant on avait un peu marre quand même des champions qui mettaient 30 minutes à scale. Notamment du côté des Fnatic, hein, c'est eux qui ont abusé énormément de ça en Europe. Oui, la Tristana, la Sivir. Exactement, en attendant que Reckless justement récupère ses items et après il commençait à jouer à League of Legends. Là au moins, avec cette méta, c'est vrai que t'as pas trop l'autorisation de faire ça. T'es obligé de prendre des champions qui sont très très forts en early game. Et les seuls carriadés du coup qui sont viables en early game, toujours, bah, c'est des champions qui ont beaucoup de dégâts. C'est très tôt. Qui spy sur le premier item tout simplement. Et qui ont aussi beaucoup de dégâts avec leur kit de sort, bah, ouais. Notamment des Ezreal, notamment des Lucian. Des Kai'Sa aussi avec son passif. Surtout effectivement les AD carry plutôt caster. Et d'ailleurs je m'étonne de pas voir des MF revenir. En général c'est le genre de situation où MF pop un petit peu de nulle part et revient en demi lane. En fait je pense qu'il faut deux choses en carry AD, c'est d'une part avoir la mobilité aussi, ouais. Exactement. D'une part avoir effectivement beaucoup de dégâts de base et après de l'autre d'avoir la mobilité. Et là en l'occurrence tout ce qui est champion MF bah pourquoi prendre MF quand tu peux prendre le tir qui peut split complètement un fight et qui peut faire des dégâts juste colossaux sur 5 joueurs potentiellement. Et en fait face à autant de bruiseurs, bah d'avoir justement un champion qui permet de temporiser comme Zira, c'est extrêmement fort, qui permet de split un teamfight. Pareil pour Braun finalement, ça force tous les joueurs adverses à se split pour pas prendre le boons de l'ultimate. Et le passif éventuellement si t'arrives à le placer. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de champions maintenant qui sont intéressants, donc il faut bien se rappeler quand même qu'on est vraiment au début du patch 8.11, on est au début de la compétition. Je pense pas que vraiment Riot souhaite prendre cette direction à supprimer complètement les carry AD, mais on peut voir quand même, par exemple, pendant ces deux BO là qu'on a eu aujourd'hui avec TekTek en LCK, on a eu aussi bien du carry AD que des dégâts magiques que des dégâts physiques en bot lane. Donc finalement on a le choix. Oui, on a eu du melee, on a eu du range, on a eu des supports plus ou moins agressifs. Ouais. On a vu les ressources mises sur les junglers, sur les top laners. Et sachant qu'on a découvert que 10% encore. Hein. Il y a encore beaucoup. Donc, pour le moment, finalement, avec du recul, même si j'arrêtais pas de pester en solo queue, je trouve qu'avec du recul, c'est une
c'est une bonne direction. On voulait rendre le jeu dynamique. Le jeu pour le moment est dynamique. Maintenant, faut faire attention évidemment à pas délaisser complètement un rôle. Mais après, si ça ouvre plusieurs stratégies différentes, pourquoi pas. Je suis curieux de savoir ce que les coachs. Écoute, on verra ce que les coachs en pensent en tout cas. Il y a un autre rôle aussi qui est entre guillemets délaissé pour le moment. C'est les assassins hein, qui ont pourtant été up eux. Mais c'est vrai que vu que sur la fin de l'invocateur, il n'y a plus leur cible favorite des carries, il n'y a plus vraiment d'intérêt à aller chercher des assassins. Ou alors, si c'est des assassins qu'on prend, faut que ce soit des champions qui ont un DPS très particulier, comme du Yasuo, comme Nocturne aussi d'une certaine manière, voire du Mastery, parce qu'on peut vraiment considérer Mastery comme assassin, peut-être pas, mais. L'ultimate qui a été complètement counter par le wall de Chovy. Ça c'était très bien vu. Hein. On se laisse pas avoir, bien entendu. Surtout que l'animation de l'ultimate de Irelia, elle est pas si facile que ça à voir. Ah, c'est rapide. La discussion est rapide. J'ai l'impression que c'est en Yun. Rien à faire. Il avance, on s'est un peu zoné. On a quand même l'ultimate de Shen toujours disponible. C'est vrai qu'il y a deux joueurs présents sur la mid lane, là, Ryze et Soraka. Ils savent bien qu'ils peuvent pas arriver à push hein, face à un gangplank qui a récupéré Trinité et Sterak. Il a de quoi wave clear facilement. Sans se mettre en danger en plus avec ses barils. Maintenant qu'il est level 13 en plus, il a ses barils level 5. Et donc il peut les spam évidemment facilement. C'est vraiment un timing très important hein, le level 13 sur Gangplank. C'est à ce moment là que tu te dis que ça va être très très compliqué d'arriver à tenir contre lui. Je sais pas s'il a vraiment réussi à stacker la kleptomancie par contre. Non si je sais pas. Au final il se retrouve avec deux items contre deux items pour le chêne. Donc il n'y a pas forcément d'énormes avantages en gold. Il a 600 gold de plus si on compte le chronomètre à la rigueur. Peut-être là que ça s'est joué. Et c'est vrai que pour revenir à tes assassins, en fait les assassins aussi n'ont pas vraiment d'intérêt puisque maintenant ce qui marche très bien sur le jeu du coup c'est comme on a dit les champions du coup qui sont très forts, qui ont beaucoup de dégâts de base et qui sont très forts en early game et aussi l'AOE. Oui. L'AOE c'est une stat qui est super importante maintenant. Après des champions par exemple. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi ça qui m'impressionne chez Hanwha c'est que ça fait deux drafts d'affilée qui jouent avec énormément de sustain. Ils ont que des personnages qui peuvent sustain. Oui, Vladimir, Trundle. La game précédente c'était Vladimir, Darius. Là en l'occurrence ils ont hésité. D'ailleurs les Griffins avaient ban Soraka contre les Hanwha. Ouais. Là cette fois-ci ils ont récupéré la Janna en plus qu'il y a une mousson. Donc on joue toujours avec beaucoup 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 de sustain. Pour s'assurer justement des fights très longs. Oh. Ouh. Oh les mais il est obligé de flash forcément. Le pilar était bien ajusté de la part de Sangwan. Et toujours ce push, cette espèce d'avancée très difficile à bloquer du coup de la part des Griffins. Ils ont cette faiblesse de ne pas avoir Elder Wave Clear. On a un Ryze et puis c'est tout, quasiment. C'est vrai qu'un Ryze, ça reste quand même une portée relativement courte. Payant à les trouver, voilà, les situations de Wave Clear. On le voit, Viper se fait complètement zoner par la Irelia. Oh, attention. De barrel, oh là là, il fait tellement mal! Et l'engage directement de la part de Nocturne, la fin des Akifo. L'ultimate de Yasuo qui est très très bon. Il arrive à trouver beaucoup de dégâts, l'avantage du fight. Est-ce qu'on peut aller chercher jusqu'au bout? Le réengage potentiel, très bon stun. Mis en place de la part de Laval, Daron qui devrait tomber a priori. Très bon taunt flashé. Wow. Et on va aller chercher un énorme get back. Les Griffins qui trouvent l'engage avec le Nocturne, avec les follow-up du Yasuo. Et ce fameux sustain dont tu parlais des Hanwha qui finalement n'ira pas jusqu'au bout. Comment il a trouvé son ultimate là, Yasuo? Il a chargé son Q-spell sur le bas de la... Sur le bas, sur le bas du fight. Je crois qu'il le met à un moment où l'ultimate du Nocturne part. Waouh, c'est propre hein. On voit rien en fait, c'est beaucoup plus compliqué de dodge des screenshots quand il y a l'ultimate de Nocturne qui est actif. C'est tellement fort Nocturne, c'est 6 secondes de blind quand même. Ouais. 6 secondes de blind. Et du coup c'est le Nashor. Un comeback qui n'est toujours pas assuré, cela dit, 2000 gold de retard par rapport à leur adversaire. Il y a toujours un inhibiteur à défendre top. Il fait dans des bonnes conditions, on va revoir du coup Showy. Là il charge son Q-spell. Ah oui, là il a. Ah, ok d'accord. Là il l'a. Ah c'est bien ce qu'il fait. Il met le EQ flashé de manière à bump deux personnes, il a tombé sur l'auto-attaque avant d'appuyer sur R. Et avec le wall en plus. Et pourtant le Zonia de Sanguine était bon. Et il trouve le disengage derrière avec les dash increase. Ah c'était propre, c'était très très propre. Mais voilà, la bannière de commandement a quand même récupéré l'inhibiteur hein, comme on nous a montré justement le replay. Ouais. Ils ont couru sur le Nashor sans avoir assuré la défense de leur inhibiteur.
Et on se rapproche de l'IE hein, maintenant pour Chovy. Ça va être important, t'as mis très important l'IE. Ça va augmenter ses dégâts drastiquement. J'ai vu de l'anti-heal mais j'arrive pas à voir qui a... Ah si, il y a Morello sur Viper, pardon. Il est important ce Morello sur Viper évidemment. Mais c'est vrai que les Hanois, je crois qu'ils ont rien pour arriver à placer l'hémorragie. De leur côté par contre. Ouais, contre la Soraka, ça pourrait être quand même intéressant. Ah ouais, clairement, ouais. On devrait quand même avoir, je pense, une marque du bourreau qui devrait apparaître au moins sur l'Indarang à un moment. Ce serait pas mal. Ou pourquoi pas côte épineuse sur Sangwan. Et voilà, on a d'engage du directement de la part des Hanois. Ils ont un Hachor quand même en face de vous, ils ont un Hachor, ils n'avaient pas de heal. L'engage de la part de Tarzan directement sur Jarnam, on arrive à se replacer avec un flash. Et un fight une nouvelle fois, j'ai l'impression, à l'avantage des Griffins. Attends, Lava qui peut peut-être trouver le beurre sur Léance. Non, ça ne passera pas, trop de dégâts proposés par Vipers. Ah ouais, il faut du anti-heal, il faut vraiment du anti-heal, ils en ont pas du tout, non? On l'a vu, hein, ils ont full engage sur Viper, le reste qui a pu trouver le... Eh, ils en ont pas. Il a pu... Ah si, il y a Morello sur Vladimir, autant pour moi. Il vient de le finir en plus. Hein. Il vient de le finir? Je crois qu'il l'avait pas sur ce fight. Dans tous les cas, c'est un peu le problème de Morello, c'est que tu dois être en dessous d'un certain seuil d'HP. Non, pour que plus les maintenant. Ah non, t'arrives plus maintenant, autant pour moi. T'as complètement raison, Tech. Ah non, il l'avait pas. Ah si, il l'avait, on voit le ah ouais, si, il l'avait. Ça suffit quand même pas, regardez la manière dont Viper sustain. Plus le Zonia. Et pourtant, Lava fait un beau fight. Hein. Lava fait un très très beau fight. Il passe tout son temps dans la backlane. Trouve le beurre sur Tarzan. Malheureusement, il a pas la rage pour aller chercher la Soraka. Et ce silence, encore une fois. Tellement mortel. Douloureux. Ouais. Il a fait Morello au premier item, nous dit le chat. Tant pour nous. Je me rappelle en fait l'avoir vu avec une protobelle très tôt. C'est vrai qu'il... Et d'ailleurs, attends, ouais. Mais même le Gangplank qui est pas parti du tout sur un... Sur une marque du bourreau, ouais. Sur une marque du bourreau, c'est bizarre qu'il ait fini sans Dominique. Bah ouais, c'est très étrange, surtout face à la composition adverse. J'avoue que le tueur de géant apporte pas grand chose là actuellement. Et je crois que ton ultimate avec Gangplank croque en plus l'hémorragie. Non c'est dégâts physiques. C'est le dégâts physiques, donc logiquement ça devrait le faire. C'est vrai que c'est un peu dommage là de tourner le doigt de Titan. Mais écoutez, en tout cas, on va dégâts sur le dernier fight. Non, mais Hanois 3500 dégâts. Autant parfois ils sont un petit peu timides, ils prennent leur temps avant d'avancer. Là, ils sont déterminés. Ils ont récupéré l'inhibiteur sur la botlane dans tous les cas. Et voilà, l'engage directement, c'est sur Janna. On n'arrivera pas à désengage malheureusement. Le burst est beaucoup trop conséquent. Je le taunt sur deux personnes de la part de Sword. C'est excellent. Et du coup, c'est un Chovy derrière qui en prie les PS. Et ça tombe de tous les côtés. Du côté des Hanois Life. Troisième tentative au niveau de cette bot lane. Troisième échec, Tech. Ouais, on n'y arrive pas, on s'est complètement deny. La pauvre Janna qui évidemment a pas beaucoup d'options pour retirer le Nocturne. Simplement parce que le Spell Shield empêche la mousson d'être active. Et si tu ne peux pas repousser le Nocturne avec la mousson, eh bien tu n'as juste pas de sort pour bait ce Spell Shield avant de mourir. Tout est trop lent sur le champion. On va le revoir. Qu'est-ce qui déclenche Goin? C'est Janna. Janna qui s'est montré. Il n'y avait même pas de suspense chargé sur Chovy. Regardez, silence sur deux personnes en plus aussi derrière. Taunt sur deux personnes, silence sur deux personnes. Et après, bah, t'as juste à les cueillir. C'est dommage, hein, que Sognun ne puisse pas trouver le DPS. Il a trouvé un plutôt bel ultimate pourtant sur trois personnes. Mais bon, après c'est aussi la faiblesse des champions casters joués au niveau de cette botlane. T'as moins d'XP. C'est-à-dire que sur ce teamfight là, le Vladimir n'était pas niveau 16. Alors que c'était le cas de Chovy. Donc on peut imaginer une situation où le Vladimir niveau 16 sur ce teamfight change quand même beaucoup les choses. Notamment avec l'intervention de Lava en beurre sur la botlane. Ouais. Bon, quand même 5 000 de dégâts hein, du côté de Lindarang. Il y a eu quelques photos qui sont passées. Mais toujours le problème de cette Soraka. Soraka qui empêche une équipe de mourir. Et quand tu veux dive, quand tu joues compo dive et que l'équipe adverse ne meurt pas, eh bien ta composition reste un peu inutile malheureusement. Il y a Yasuo qui avait du retard, maintenant il est complètement revenu dans la partie. Il y a l'IE, le GA dans son fantôme. Starak probablement en préparation. Ou même gelé. Ça peut être une possibilité aussi.
On a l'air passé devant du côté des Griffins finalement. Ouais. Quasiment 2000 gold de plus maintenant. L'inhibiteur qui est revenu. Alors même si le contrôle de carte de manière générale reste plutôt avantage à Noah Life, ça devrait assez rapidement changer de bord. Et c'est là où on voit quand même la force d'un pick comme Nocturne. De pouvoir one burst un joueur. Évidemment, ça t'assure une supériorité numérique derrière. Et pas n'importe quel joueur, c'est Janna. Et si elle peut pas utiliser sa mousson, c'est toujours très embêtant. On a besoin de la mousson pour arriver à temporiser, pour arriver à sustain. Truc qui va pas aller trouver le Zonia hein, qui... Ça pourrait être intéressant sur la Janna d'avoir le Zonia juste pour bait en fait, ouais, Tarzan. Attends, ça reste un item qui est très très cher. Parce que voilà, à mon avis, qui va te faire one shot à chaque fois hein. Il va pas hésiter, Nocturne. On est en train de regarder qui peut. Qui peut permettre à cette Janna de rester en vie. Il faudrait juste proc une fois le seul Nocturne en fait. Pour que la mousson puisse le renvoyer. On a la Nashor maintenant qui a fait son apparition, son retour. Dans le pit, ça fait 3 fights d'affilée qu'on perd. Côté Anwa Life. Il va falloir penser à changer de stratégie. Et j'ai l'impression qu'on décide d'ailleurs de prendre des initiatives, non. J'ai vu un ultimate de Viper, il était parti où? Au niveau du Nashor? Probablement au niveau du Nashor, allez peut-être un trap. De la part HLE. On hésite. Oh. Oh, un timing de back peut être un peu dangereux là pour les Griffins. Oh Viper. C'est pas le meilleur timing de back ça. Viper qui va pas se laisser surprendre pour autant. Ouais, on n'est pas dupes. Ça c'est dangereux aussi ce que fait Darzan. Il peut se rassurer, il a pas. Il sait que les Anwa n'ont pas la formation, mais il peut pas rester trop longtemps dans nos dragons non plus. Shen peut se le permettre, parce que c'est Shen. Pour un Nocturne, c'est peut-être un peu plus dangereux de jouer trop loin du Nashor, même si on a quand même cette capacité à gap close à travers la carte. Et le prochain teamfight qui pourrait très honnêtement régler cette partie. Prochain teamfight, ouais. Et j'ai l'impression que ça va quand même être à l'avantage des Griffins. Ils sont bien, on a 4 items du côté de Viper. Bah, ils sont de trop Viper. Bien dans la partie maintenant. Hein. Ils sont beaucoup trop bien dans la partie. Il y a un chien, en fait il y a le one shot de Nocturne et je vois pas comment on arrive à se prévenir justement de ce one shot de la part de qui. Même s'il arrive à conserver sa tornade et son ultimate, est-ce que ça sera suffisant? Je mets quelques réserves. On va voir ça, en tout cas on prend du temps là avant de se mettre en place. Ça permet au moins à Sangyun peut-être d'arriver à attraper son level 16 avant le prochain teamfight, ça va être capital. Sachant que les joueurs adverses sont déjà plus que level 16. Du côté des carry en tout cas. Et on va prendre le farm en top lane. Pas de marque du bourreau non plus pour Lava. Le GP qui n'a toujours pas fini non plus son. Qu'est-ce qu'il va faire GP Malmortus peut-être. Au spectral. Bon Malmortus tu penses? Après s'il avait fait Malmortus je pense qu'il aurait quand même commencé par le Zricker à mon avis. Je sais pas si une fausse spectrale est intéressante. Là, bah non, mais comment il va se peut-être, est-ce qu'on va aller chercher Tarzan? Il est tellement énervé à chaque fois. Après, il a raison, il doit trouver le One Burst évidemment sur Nocturne, mais. C'est toujours assez étonnant de le voir faire des flash-in comme ça. Le problème, c'est que ça vient bait le téléport de Lindarang. Ça veut dire qu'on est en désavantage au niveau du speed push pour les HLE. Et encore une fois, le one shot sur cette Janna, flash out, ça va suffire, oh. Un bousson! Le flash noté par contre. Qui passe bien et du coup on récupère du côté de Viper, on arrive derrière le fight, du coup on est un petit peu isolé, quoi qu'on se replace avec un flash et on arrive à trouver le burst. Lindarang maintenant, est-ce qu'il y a des dégâts suffisants pour arriver à tomber tous les joueurs des Griffins? Il est tout seul, non, il y a encore Eliane debout. La passe balade, le GR qui va tomber, est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose de plus peut-être? Pour l'instant c'est Lindarang qui trouve énormément de dégâts, Lava peut-être le stun qui va passer, mais il va devoir désengage malheureusement Lava et ce sera un triple kill pour Chovy qui va trouver l'Ace. C'est probablement la game à l'avantage des Griffins. Quel team fight proposé par les deux équipes. Et toujours cette situation où la Soraka sauve son équipe.
Razer du coup qui a laissé sa place à raison à Chovy, qui lui montre pourquoi il est là et pourquoi lui il est sur le banc avec son Yasuo. Il a mis un petit peu de temps avant de monter en puissance, mais voilà, une fois qu'il a atteint ses 3 items, il a réussi à se montrer autoritaire. Alors on va pas pouvoir terminer la game, on devrait quand même aller chercher Le Nashor, c'est important. Le Nashor avec l'intervention de Tarzan. Et ça coûte à chaque fois le flash quand même de Ki hein, pour arriver à se replacer, ça qui est embêtant. Est-ce qu'on peut le défendre du côté des Hanwha? Non, ils vont même pas le tenter. Non, je pense pas. Avec le TP de Viper en plus, c'est trop compliqué. On va s'assurer du farm, c'est tout. Et deuxième Nashor pour les Griffins. Après d'excellents teamfights de leur part. C'est là où c'est dur aussi pour Trundle quand même d'arriver à s'exprimer maintenant à 36 minutes de jeu, c'est très compliqué. Ça reste un champion quand même qui est surtout fort en early game, au niveau des escarmouches aussi, au niveau de la temporisation avec son ultimate. Bah après voilà, t'as peu de dégâts et regardez, il est complètement ignoré en fait par le reste de l'équipe pratiquement. On s'en fout d'aller taper un Trundle. Et pourtant Lava fait un très bon fight, hein. Il se balade partout, il essaie de trouver le burst sur Viper. Mais c'est là qui fait la différence surtout. La Soraka qui met tellement de heal. Ça fait waste des sorts à chaque fois. Et c'est ces sorts perdus qui permettent à Chovy d'aller chercher tant de dégâts. Bah, Chovy a été très propre. Allez, peut-être un pick-up de la part HLE. Il n'y a pas de flash hein, pour Sword. Est-ce qu'on arrive à trouver... Oh, le pilar est tellement beau! Il est tellement beau ce pilar! Il n'y a rien à faire du côté de Sword. Quoi, si on n'est pas mort, Sword. Léon qui va essayer de l'aider au maximum. Le vœu en plus. Teammate de la Irelia qui est forcé très tôt. C'est un pick-up à quel prix. Allez, organisez le final de la game de l'autre côté. Ah, ils vont finir la game. Bah, c'est GG. C'est GG. Et ce sera la victoire du coup pour les Griffins. Et l'ultimate légalisation au niveau du BO. C'était tellement de ressources pour aller chercher ce chaîne. Et juste la présence de la Soraka, encore une fois, qui dérange les plans des Hanwha Life Esports. Griffith qui l'emporte. Première victoire de cette équipe de Challenger Series en LCK. Et ouais. Plutôt une belle victoire. Avec de magnifiques teamfights de leur part. Gros travail de Chovy sur le Yasuo, tu en parlais. Et pareil pour Viper. Hein. Je trouve vraiment Viper exceptionnel aussi, ouais. avec Ryze. Même son teamfight a été bon, il passe dans le dos des adversaires, il les attire, après il se replace avec un flash, il met son Zhonya, il temporise énormément pour justement bah, permettre au Yasuo de trouver ses dégâts. Non franchement, les joueurs sont vraiment très bons. Même si on les voit parfois un petit peu hésitants au niveau des rotations, un petit peu à la ramasse au niveau de la macro. Et finalement ils ont réussi à prendre les Rock Tigers sur leur propre jeu puisque ouais. Ce pick-up sur le chaîne est pas du tout le bon. Et regardez le rush fait par avec l'ultimate de par les Griffins, forcément l'ultimate de Ryze, on amène les sbires avec. Et l'ultimate du GP qui ne suffira pas. Ouais. Mais je suis vraiment impressionné par les mécaniques des carry AD là sur leur champion comme Ryze et tout. Ah, apparemment il voulait rentrer chez lui. Ils sont contents, les joueurs Griffin, je crois. Je pense, c'est la joie. Bah, il vient de gagner, ce serait quand même dommage que. Bah, il vient de gagner une game, c'est pas fini. La pression. Après, faut voir aussi que ce sont de très jeunes joueurs. C'est vrai. Qui ont été recrutés sur le ladder, donc des joueurs qui ont plus l'habitude de jouer chez eux en slip tranquillement devant leur PC. Et les anciens Rock Tiger. On va aller chercher cette game 3. Ça va être intéressant de voir comment est-ce que chaque équipe va un petit peu s'adapter à ce BO. On a vu que du côté des Rock Tigers, la première game s'est bien passée. On a essayé de jouer la même chose. Sur la seconde, ça n'a pas du tout fonctionné. Est-ce qu'on devra ban la Soraka? Je pense que ça pourrait être une idée intéressante. Aussi, qui contrôlera le Yasuo? J'ai l'impression que c'est un pic très important de cette. Est-ce qu'on peut appeler ça une méta vu à quel point ça bouge et il n'y a pas vraiment de stratégies qui semblent mieux fonctionner que d'autres. En tout cas, il y a des pics qui sont très forts. Mais ça, ce sera après une petite pause sur le gaming. On se dit à tout de suite pour la suite de BO. Et nous sommes de retour pour cette dernière game du coup de la journée. Griffin contre Hanwha Life Esports. Pas facile à prononcer. Hanwha Life Esports. Une belle égalisation, écoute, de la part des Hanwha. Oui.
avec Ayasuo, du coup, parce que c'est les Griffins, la première game. Effectivement, ouais, très très grosse game de leur part, notamment sur les teamfights, gérés d'une main de maître. Deux avantages de leur teamfight, la Soraka qui permet de garder toute l'équipe en vie, notamment les champions comme Ryze qui sont très très forts pour récupérer rapidement, régulièrement des shields et du coup profiter au maximum des heals. Et en plus évidemment ce Nocturne qui peut aller one shot le support bot à shield heal derrière la Janna qui peut pas du tout teamfight. Et c'est là où on se pose la question finalement de la rédemption du Solari. Est-ce que c'est pas plus intéressant finalement d'avoir un Solari quand tu vas jouer contre un champion comme Nocturne qui va pouvoir se one shot. Tant qu'à faire, vu que de toute façon le Zhonya va foncer sur toi en particulier. Ouais. C'est vrai que tu parles rival Brain. Ouais, ça aurait pas été une mauvaise idée, effectivement, pour la Janna. Mais bon, c'est pas le choix qu'il a fait. Donc, évidemment, on connaît les conséquences de ses actes, sa égalisation du côté de Griffin. On va voir ce qu'il nous réserve, en tout cas, les deux équipes. Là, pour le moment, on a eu beaucoup de champions atypiques, évidemment, au niveau qui illustre bien cette méta. Ouais. Est-ce qu'on va voir enfin un carry AD du côté de la botlane ou est-ce qu'ils vont continuer sur leur champion Ryze Vladimir? Je pense que si on voit un carry AD, ce sera probablement du Ezreal ou du Lucian. Je vois mal genre sortir quelque chose. Ou alors des champions à base de Ginzu comme la Kai'Sa principalement, parce que même Varus je pense c'est plus compliqué. On va voir. Voilà. Après, on va voir peut-être qu'il y en a qui va être fou, il va se dire je sortirai une Kai'Sa, tu vois. Une Kai'Sa, ouais. Une Kai'Sa, pourquoi pas. Kai'Sa, ça peut faire Ginzu, et Kai'Sa c'est très fort d'ailleurs dans les c'est games vrai. Aussi. Hein. C'est vrai, pourquoi pas. Et pour faire un re-engage, ça peut marcher. On sait bien dans tous les cas que maintenant. T'as la mobilité dont on a besoin. C'est les bumps hein, qui marchent beaucoup. Et on note les dégâts. Bon, évidemment, beaucoup de dégâts du côté de Gangplank, mais c'est majoritairement dû à son ultimate. Ouais. Sinon c'est surtout un Viper hein, qui a été très très bien inspiré avec son Ryze, qui a trouvé des teamfights qui étaient juste complètement aberrants. Il arrive à passer dans le dos des adversaires après à revenir avec un flash. Honnêtement les Griffins mécaniquement ils sont solides. Ils sont très très solides. Ils ont réussi à remonter aussi parce qu'on l'a vu, hein, regardez le graphique, on était à 5000 gold de retard. Ouais. Passé les 20 minutes de jeu, on perd un inhibiteur et derrière on a à faire que des teamfights gagnants. Et du coup, les Ends avec la Soraka qui va prendre son MVP. 95% de kill participation, quand même, malgré tout. Mais ouais, les sustain, les silences aussi qui étaient au point à chaque fois. Et aucun kill en LCK. Bon, évidemment, c'est son premier BO en LCK. Mais voilà, pas de kill steal pour le support. Et limite, je trouve que c'est une belle stat pour un support. D'avoir ouais. 95% de kill participation, 0 kill. Je trouve que c'est une très très belle stat. Ouais, clairement. Et malgré tout, 20% de dégâts son équipe. En plus, ouais. C'est énorme, hein. Il a trouvé 13 000 de dégâts avec sa Soraka, donc il a vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts positionnés. Il fait même plus de dégâts que son jungler. En termes de poke, c'est vrai que c'est solide. Il a fait son travail aussi avec ses silences. Clairement. Donc, un rôle de MVP qui est mérité. Après, est-ce que les Hanois sont vraiment inquiétés? Je pense qu'ils vont ajuster un peu plus leur ban. Ouais, je pense que ça devrait dérouler par la suite. Ça, c'est garanti. Il faut la retirer ou la pique. Je suis pas sûr qu'ils ont envie vraiment de jouer avec une Soraka. On a vu plus de botlane à base d'engage en fait. Du côté des Hanois. Sauf cette Janna qui a peut-être été un peu forcée. De la part des Griffins. Et il y aura pas de changement. Ni d'un côté, ni de l'autre au niveau des joueurs. On va conserver Chovy sur la mid lane pour les Griffins. Et on a une place maintenant de first pick. Au niveau de cette draft. Alistar en tout cas qui est enlevé tout de suite. On devrait voir une nouvelle fois les bans de Taric, etc. de sortie. Là, Talia aussi qui commence à être très régulièrement ban. Talia qui peut notamment être jouée en jungle. Et qui est un champion qui contrôle très très bien l'espace. Dans les games en fait où le power spike, il doit être à quasiment 15 minutes de jeu, même 10 minutes de jeu. Ben, Talia, ça fait son petit bonhomme de chemin. Tu demandais s'il allait avoir un Lucian, la réponse est non. Ce sera ban par les Griffins. On ne veut pas laisser Sanguine. D'ailleurs, Sanguine qui historiquement a été déjà connu pour son Lucian. Pas Lucian, effectivement. Taric toujours disponible. Soraka éventuellement. Pyke aussi qui est enlevé. Pyke qui aura subi beaucoup beaucoup de bans sur ce BO en particulier. Parce que sur le BO précédent, je crois qu'il n'avait pas été touché du tout. Je crois une fois, je suis pas sûr. Un petit doute. Mais voilà, full ban de Pyke. Ça se comprend. Honnêtement, vu la manière dont le jeu s'articule actuellement. Ça m'étonne pas du tout que Pyke soit retiré parce que c'est exactement ce qu'on demande à un support actuellement. C'est-à-dire une capacité à burst, beaucoup de contrôle à proposer et le tout sans avoir besoin de beaucoup de ressources. Ouais. Pyke a tout ça. Et une capacité de roam aussi qui est oui. dévastatrice. Skarner qui est supprimé côté Griffin. Bah écoute, j'ai l'impression que le Taric fait pas plus peur que ça en réalité. Pourtant, il a été supprimé deux fois quand même sur les games précédentes. Ouais, alors est-ce qu'on va le ban du côté des
Nahawan, va pas laisser en first pick pour Griffin. Et le first pick, on a vu jusqu'à présent que des first pick Irelia dans ce BO. On pourrait continuer hein, sur la lancée. Pourquoi pas. Et là on va aller chercher le Vladimir. Vladimir qui a plutôt tendance à être joué au niveau de la bot lane. Donc le botlaner farmer, ce qu'on ne peut plus vraiment dire à des carry. Et la réponse du côté des HLE. J'attends toujours cette Zaira quand même qui pourrait pop, qui pourrait poser beaucoup beaucoup de problèmes. Notamment une décomposition à base de gros bruiseurs. Typiquement contre un Darius, tu prends une Zaira et tu l'empêches complètement de jouer en fait. Il y a trop de contrôle, trop de kitting. Alors, on va aller chercher la IRL hein, du côté des. Des ex-Rockstigers. Irelia avec. On voit pas le jungler tout de suite. Enfin, est-ce qu'on peut parler de jungler? En tout cas, un champion qui peut potentiellement faire la jungle. Ouais. On pense à Nocturne, après c'est peut-être un peu tôt pour prendre un Nocturne, je sais pas trop. Je crois qu'il avait pris très tôt aussi hein, la game précédente. Il avait pris assez tôt, ouais. Il avait pris. Après, il avait pris en dernier pick de Red Side, je crois. Ouais, tu as la première rotation. Ouais. Et c'est notre Trundle finalement qui va être validé pour Sangwan. C'est bien dans la jungle a priori qu'il devrait être joué. Ouais, là on n'a pas eu vraiment de surprise hein, de la part des Trundle pour le moment. On va continuer sur ce pick. Pink qui n'assure pas un très bon scaling, mais voilà, leur league game est clairement. Alors, on a le Fiddlesticks disponible. Et on va repartir sur un Nocturne du côté de Tarzan. Ouais, ça avait bien fonctionné pour Tarzan le Nocturne, donc pourquoi pas retourner dessus. Je pense que Killa, il doit dire à son coach, s'il te plaît, ne mets pas une Janna dans mes mains ou une Soraka ou un truc qui peut faire one shot. Donne-moi un truc qui tombe. Quoique, une Soraka, ça peut être plus d'arguments pour arriver à tenir contre Nocturne avec son ultimate et son silence. Peut-être. Après, ce serait une Zoé récupérée par Choupi. J'avoue, je m'attendais pas forcément à la Zoé. J'essaie vraiment de voir si on n'avait pas récupéré un Fiddlestick en fait au niveau de cette bot lane. On l'a vu, hein, le combo Fiddlestick Vladimir qui a cette force de push sur le premier niveau et qui en plus en teamfight est complètement insane puisque l'accumulation des deux ultimates fait des dégâts magiques en zone assez faramineux. Et on va aller chercher le Darius potentiellement pour Lindarong, ça avait tellement bien fonctionné pour lui sur la première game. Et là j'ai l'impression qu'il va jouer contre beaucoup plus de range. Et en l'occurrence, Darius n'aime pas spécialement rencontrer des ranges, surtout oui. quand il y a des contrôles, il y a du slow. Cela n'empêchait d'arriver à progresser justement jusqu'à ses adversaires. Si son matchup c'est Vladimir en face, il va beaucoup moins s'amuser, c'est sûr. Et allez, du coup, deuxième phase de ban maintenant qui commence. Soraka qui est enlevé directement côté Hanoi. Des supports qui n'ont toujours pas été récupérés. Enfin, je ne pense pas. Rien n'est sûr sur ce patch. Je ne pense pas. Soraka du coup. Qu'est-ce qu'il reste? Janna, Broom, Blitzcrank éventuellement, Léona aussi qu'on a beaucoup vu. Léona oui, Léona pourrait être intéressante. Fiddlesticks qui va être retiré par les Griffins. Fiddlesticks aussi qui est extrêmement menace. Fort. Brand Zaira aussi. Mais qui sont pourtant pas du tout prioritaires sur les phases de pick. Les Brand Zaira. Après c'est vrai qu'on a peut-être un petit peu le filtre de la solo queue où les deux champions sont ultra ultra spam. On va retirer le Shen qui a posé beaucoup 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 de problèmes à Cernoi. Même si je pense que le Darius contrôle très très bien la Shen, si le Shen est en top lane et il peut jouer ailleurs, malheureusement c'est toujours le souci sur cette méta, c'est t'es jamais vraiment sûr du matchup que tu vas avoir face à toi. C'est vrai que c'est compliqué hein. Shen en tout cas qui est enlevé à les derniers ban pour les Griffins. Seconde, Lulu. Ban de la Lulu. Pas beaucoup de supports de disponibles du coup. Et on va prendre le Ryze potentiellement pour Sanghyun. Je me posais la question aussi, est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir un Ezreal dans la composition des Onwa juste pour assurer le kitting à l'avantage du Darius justement. Ouais. Du coup, il pourrait partir peut-être contre les Givrants. Oh, et ça va être un Kennen finalement qui va être récupéré. Kennen qui avait été ban sur une des games précédentes d'ailleurs. Et c'est vrai que je pense que Kennen, vu la position actuelle de la bot lane, c'est très très intéressant en bot laner farmer. Tu peux te permettre de partir sur de la paix, c'est pas très grave, parce que de toute façon ton AD est ailleurs sur la carte. Ouais, donc tu verrais plus en bot lane le Kennen. Mundo en tout cas qui est sécurisé au niveau de cette top lane, donc on va rouler. Pourrait complètement aussi être en bot lane farmer.
Je pense qu'on va revoir Vladimir sur la botlane. Vladimir Morgana, du coup, a priori. À mon avis, oui. Côté Griffin, Mundo top, Zoe mid lane, Nocturne dans la jungle. Mundo dans le match face à Darius, c'est pas évident comme matchup pour le Mundo. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant. Je suis pas sûr que t'as envie de vraiment rechercher ce genre de matchup. L'early game va être compliqué. Après, on fait confiance évidemment aux mécaniques de Sword. Ils nous ont prouvé des Griffin dans tous les cas qu'ils avaient une lane qui est tout à fait correcte. Et le Ezreal pour les Hanois. Ça sera bel et bien Ezreal. Alors, peut-être sur la mid lane. Ah. Kalista Kennen, let's go. C'est vrai que ça peut être intéressant. Après, si t'as un Mundo en face, t'as Kalista, elle pleure quand même. C'est pas faux. Et ça, du coup, c'est Kennen support. Un Kennen support, ouais. Ezreal, Irelia sur la mid lane, Darius top et Trundle dans la jungle. C'est un puzzle, tu sais, à chaque fois, il faut remettre un petit peu les pièces dans l'ordre. On va vérifier. Donnez-moi les coins avant. Mais on commence à connaître. Ça y est, on maîtrise. Il y a un truc qui se crée. Ouais. Au bout de 5 games, ça y est. On n'arrive pas à anticiper les pics, mais au moins, on arrive à les remettre dans l'ordre. Et ça, c'est bien. On serait vachement fort au bingo. Ça qui est important. Ça, c'est intéressant quand même. Honnêtement, cette Jolene, Ezreal, Kennen, que je trouve assez intéressante. Maintenant, contre une Morgana, Kennen a beaucoup plus de difficultés à trouver des situations de pick-up. Et tu vois, Ezreal dans les mains des Griffin aurait eu quand même pas beaucoup de sens en réalité. Parce qu'il y a des champions qui sont beaucoup trop tanky en fait et qui peuvent lui arriver dessus vraiment vite. Oui. Du côté de Irelia et même le pilier de Trundle hein, qui reste problématique. Alors par contre, du côté des Hanois, je trouve extrêmement fort le pick de Ezreal. Parce que justement, les personnages en face sont assez weak justement pour être sensibles à un burst potentiel du carry AD. Je suis assez d'accord. Après, la grosse difficulté maintenant, c'est... Si Sword arrive à survivre sa vase lane, le Mundo risque d'être très largement invulnérable. On n'a pas beaucoup de dégâts finalement pour aller le chercher. Alors évidemment, la soumission de Sangwen va lui poser des problèmes. Évidemment qu'on peut trouver du DPS à force si on est à 5 à lui taper dessus. Mais on va pas être à 5 à lui taper dessus, il y aura un teamfight autour. Et ce Mundo peut être très très problématique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. De la top lane, Lindarang doit absolument crush ce Mundo, l'empêcher d'être trop en avance pour ne pas lui laisser tanker. Et peut-être que Sangwen va peut-être apporter justement ce support dont il a besoin au niveau de la top lane, sachant que contre Amundo, le pilier de Trundle est un très très bon outil de gank. Le fait que le Mundo n'ait pas de dash, beaucoup de slow, mais c'est tout. Un peu de mobilité à partir de l'ultimate. Ça va être intéressant de voir l'évolution, notamment le duel dans la jungle du coup, entre Tarzan, le joueur star de certaine manière de cette équipe Griffin, contre le Trundle de Sangwan. Parce que dans une situation de 1v1, je vois quand même le Nocturne devant. Face à Trundle, non. Face à Trundle, tu penses pas? Je pense pas, non. Je pense que Trundle a quand même beaucoup trop d'arguments en fait. Après, il y a le Fear en plus, on a pas mal de burst. Ouais, mais il peut se prémunir un petit peu justement des CC avec sa flak le Trundle. Il a son pilar. Ouais. Son Q-spell aussi qui, quand même, réduit un petit peu la dé adverse. C'est vrai, faut voir après dans quel état aussi de points de vie sont les deux joueurs. Parce que Nocturne a l'avantage de pouvoir clear très très vite. Je pense même plus vite que le Trundle. Bah après, c'est peut-être dans ce principe justement que les Nocturnes jouent tempo mortel pour justement arriver à tenir contre les Trundle. Peut-être. Peut-être si ça serait un autre match-up, ça serait plus une électrocution. C'est possible. À voir. A voir en tout cas les Doraves du coup qui sont terminés. Le late game qui a l'avantage de qui cette fois-ci? Je me rappelle plus exactement des. Il y avait Ryze et Vladimir sur la bot lane. Une nouvelle fois. On va voir ça en tout cas. Dernière game de la journée. Hanois Life Esports contre les Griffin, fraîchement débarqués du Challenger Series. J'aurais tendance à mettre les Hanois devant en late game. Parce qu'il y a quand même cette Irelia qui va être un très très bon scaling. Et le Ezreal qui reste quand même un auto-attaqueur intéressant. Oh. Là où, honnêtement, une Zoé ça perd assez vite quand même. Hein. Vladimir Ezreal, pardon. En efficacité. Ouais. Bon, après, bon, ça bug toujours quoi. Ça peut toujours trouver un one burst d'une une Zoé. C'est vrai, ce qui peut être embêtant. Relativement squishy comme un Kennen à support. Hein. Bah, c'est ça, c'est le Kennen, effectivement. J'ai l'impression que face à un Zoé, face à une Zoé, pardon, ça va pas être très facile. Par contre, ça va être beaucoup plus compliqué maintenant pour Tarzan de trouver des all-in dans la composition des Hanois. Et Sangyun qui a déjà fait son back. Hein. Il a profité évidemment
Elle va récupérer un sac d'or pour récupérer une pole supplémentaire. Attends, qu'à faire. Alors, beaucoup de dégâts bruts, hein, pour l'Aerelia et le Darius. Et la barrière de shield, enfin la barrière de mana, je veux dire, du côté de Sangyun. Lui permet d'encaisser justement un peu comme un Nightshrinker. Oh, l'anglais, enfin, l'invade proposé par Yashilu sur un très très bon niveau, hein, avec le Trundle et le Ezreal. Ouais, faut partir de l'autre côté pour Tarzan, y'a pas le choix, on peut pas steal ce red buff. On va revenir sur les lines maintenant, côté Hanoi. Le larcin a été fait par Sangwoon. Alors, je suis pas ultra fan de ce que viennent faire les Jones. La première flag pour prendre la formation sur le red buff, pourquoi pas. La seconde, je pourrais mettre un petit tick d'Aerie sur le Ezreal. Je suis pas ultra fan puisque on perd du coup le push sur le niveau 1. On se fait un petit peu zoner et surtout on a déjà mid mana sur le Morgana qui va avoir beaucoup beaucoup de mal à être efficace. Oh, très bon Q-spell par qui là. En diagonale sur un Vladimir qui va peut-être avoir un peu de mal à faire la différence. Encore une flag qui va pas dans les sbires. Et on zone, on joue très très haut du côté des Hanois, ils ont raison de le faire. Un Vladimir peut pas faire grand chose finalement au début de partie. Et il y a la red pot qui était proc, hein, du côté de Sangyun, c'est-à-dire que le passage niveau 2 peut être très très dangereux. Ah, attention, elle va subir un all-in. Un sac d'or supplémentaire, décidément, qu'est-ce qu'il a comme argent Sangyun sur cette début de partie. Ah. Oh, Tarzan. Non, la scène qui passera pas. La mobilité apportée par la traînée noire. Ah, surtout qu'on proc pas mal d'items quand même finalement du côté de Sangyun avec sa kleptomancie. Premier sac d'or, deuxième sac d'or, une red pot. Et maintenant on arrive à trouver les premiers dégâts au niveau de cette T1, donc le push a été bien maîtrisé pour l'équipe Redside. Beaucoup de dégâts sur la tour d'ailleurs, hein. Ouais. Très très beau premier push avec une gestion de lane parfaite. Oh. Et oui, c'est ça le problème en fait avec le Mundo. Ça se passait ça. Il va y avoir ça en permanence tout simplement. Il n'y a pas grand chose que Sword peut faire. Il n'y a déjà plus de potions alors que celle de Lindown n'a pas encore été consommée. C'est bien dodge. Et forcément, Sangwen va venir chercher. Forcément. Là, si on arrive à faire snowball le Ling Darong, c'est sûr que ça va très très bien marché game 1. Si on arrive à le refaire game 3. Par contre, c'est bien ce qu'il fait Sword là pour le moment. Il reste juste à porter pour ne pas faire peur à Sangwen. Il fait perdre un peu de temps. Elle est justement le fameux 1v1. Ouais, le burst initial est à l'avantage de Tarzan. Après, il n'y a pas eu de game up proposé par Sangwan. Pourtant, je pense que Lindaro pouvait aller chercher le décalage. Maintenant, ça aurait peut-être brisé son travail sur la lane. Et là, surtout, en fait, ce que Lindarius veut absolument éviter, c'est un freeze de lane trouvé par le Mundo. Ouais, tout à fait, Tech. On essaie toujours de jouer aussi haut, hein. Maintenant c'est de plus en plus dur pour qui est Sangyun. On est passé level 3 côté Morgana, la cage va inquiéter bien entendu la duo lane red side. On joue bien derrière les creeps, on prend pas de risque. La cité est assurée, voilà, en parlant de risque, on n'a pas laissé d'être disponible pour Viper. On va pas pouvoir aller jusqu'au bout. Et cette fois-ci, il a pas de Midnight. D'ailleurs, le sac aussi. J'ai pas vraiment l'impression de garder le sac, honnêtement. La red pot, bah, je pense qu'il préfère vendre en fait à la base. Tu vends pour 40 et t'as entre 60 60. Et 100. Tu vends pour 60 et t'as entre 40 et 100. Si tu l'actives, t'as entre 40 et 110. Et 110. En moyenne, du coup, c'est plus rentable de le vendre. Bah, apparemment. Moi, je préfère viser le. Le gamble. Le gamble. Je suis assez d'accord. Moi, je l'aime bien. Parce que quand tu débloques les 110, t'es quand même assez fier. Et allez, hein, on se déplace au niveau de la botlane, on n'est pas spot, hein, du côté de Sangyu, le téléport, oh, c'est bien fait, la part de kill, ça qui a trouvé directement sur les Jones, qu'on peut aller chercher le possède plus, c'est raté pour Lindaro, mais le refaire encore on est quand même bon. Récupéré, Tarzan qui doit flash out et la protection de Viper avec la règle de sang, mais voilà. Un premier kill récupéré sur le timing red pot de Sangyun. Et il le voulait, hein, ce first blood, téléport de la part de Lindarong, 4 personnes présentes au niveau de cette botlane à 5 minutes 37 de jeu. Et 3 flashs plus. Le hit de Sangyun. Oh, c'est qui est trouvé, c'est pas mal. Est-ce qu'on arrive à trouver assez de dégâts? On se replace directement avec un dash. Pas de risque pour Lava. C'est vrai que Chovy est déjà level 6 lui de son côté.
Là-bas, il y a un petit peu. Oh, l'Exos, pardon, j'ai l'Exos Sangyun devant moi. Oui, c'est vrai qu'il a une Exos Sangyun. Pas mal ce qu'il a fait, qui le flash ouais. Travers la cage, il trouve le sol sur la Morgana avec Ignite en plus. Beaucoup de dégâts, dommage pour Lindaong de rater ce spell. Même si, bon, ça ne va pas changer grand chose parce que la Morgana meurt malgré tout. Et tous ces summoners qu'il y avait par terre pour la Zoé. Bien, bien. Tout va bien, elle a pas fait le décalage heureusement. Et là-bas, ça y est, qui est enfin égalisé là, au niveau des levels. Pas en termes de farm par contre. Dragon Infernal qui est toujours disponible. On a vu tout à l'heure un Sangwan qui l'a récupéré d'ailleurs très tôt dans la partie. On va pas le risquer cette fois-ci. Plutôt favoriser une invade. Pas de flash hein, du côté de Tarzan. On a l'information. Oh, Daniel Tata qui passe, pas de problème. Il y avait le brouilleur dans tous les cas disponibles. Sangyun et Ki qui arrivent à se libérer, à avoir la priorité au niveau de la botlane. Regardez Viper qui est beaucoup trop occupé à la site au niveau de la T1 pour le moment. C'est dangereux quand même, il y a Legend qui est là. La cage pourrait être dangereux, ce sera raté et ce qui ne touchera pas non plus. On va quand même pouvoir récupérer ce red buff pour Tarzan. Et le game potentiel avec le décalage à la part de Sword. Ça ira. Ouais, Tarzan, pas level 6 encore. Vous pouvez pas aller follow son top laner. Bon, est-ce que Viper et les Huns maintenant peuvent reprendre contrôle de la lane hein, parce que c'est un peu tout le travail finalement de jouer avec un Vladimir, c'est d'essayer de temporiser suffisamment justement pour qu'il monte en level et qu'il ait beaucoup moins de CD au niveau de ses spells pour commencer à wave clear. Et d'ailleurs on voit bien hein, cette volonté qui est appuyée avec l'utilité qui ont été récupérées en first item pour Viper. Et le coin qui reste somme toute assez atypique pour un Vladimir. La pièce antique. Ouais, on veut de l'argent. On veut de l'argent du côté des griffines. On sait qu'on pourra pas forcément le toucher avec les sbires parce qu'on se fait pas mal zoner par le très bon travail de Ki hein, sur ce canal support, je trouve. Mais énormément de pression. Et en plus, on a l'attaque chargée donc c'est dangereux. Et attention au passage de level 6, effectivement. Aulin est si vite arrivé. Il n'y a pas de flash disponible pour les Huns. Et je suis pas sûr que son Black Shield arrive à le prémunir d'un stun placé par qui. On a quand même beaucoup de dégâts avec un Kennen. On attend en tout cas c'est Nocturne, ça y est, qui passe level 6. Le but du jeu de la part des Griffins, c'est d'arriver à trouver un maximum de POC sur les adversaires pour permettre justement à Nocturne d'arriver à sécuriser le kill. Le problème c'est que le POC il est compliqué à trouver au niveau de la botlane. Il est très très compliqué. Et Sangyun a une exhaust, Sangyun a une exhaust, et voilà directement on est parti avec l'ultimate, l'exhaust qui est placé instantanément, on va pas perdre de temps hein. Du côté de Sangyun évidemment, on arrive à se replacer pour cette duo lane. Et on arrive à abuser du timing où Ki n'est pas encore niveau 5, enfin niveau pas encore niveau 6, il est encore niveau 5. Ça évidemment c'est un très très gros timing parce que dans l'autre cas, ça aurait pu être la punition instantanée sur le Nocturne avec le décalage potentiel de cette Irelia. Il a pas plus loin, il a trouvé le push du coup, le reset de lane d'une certaine manière, même s'il y a toujours un bel avantage en termes de CS pour Sangyun. Et on va même améliorer la pièce antique d'ailleurs du côté de Viper. Afin d'avoir un peu plus d'argent. Ça coûte 500 quand même de l'améliorer. Ce sera rentable pour lui plus tard. Et la marque du bourreau qui a été récupérée très rapidement hein, pour l'Inderhound cette fois-ci. Assez compréhensible. Il a pas fait l'erreur de la game précédente contre une Soraka. Ça leur a coûté assez cher en même temps. On va partir en invade. Attention au slip là qui va toucher. Ah, c'est compliqué ça par contre. Ça va être très très compliqué pour Lindaong de se sortir. Le burst est massif. Et malgré les dégâts qu'il peut proposer sur Tarzan, ça ne suffira pas. Il y a un héros de la faille du coup à récupérer là au niveau topside. Je sais pas si on va y aller. Non, pour un moment on décide de pas aller. Au niveau de ce héros de la faille, mais plutôt taper cette T1 sur la top lane. On a un téléport, cela dit pour Lindarang. Est-ce qu'on peut vraiment dive du côté de Sword et de Tarzan sur le TP Lindarang? Je sais pas s'il va TP une seconde là avant le respawn. S'il va quand même le tenter le TP, il va vouloir protéger cette T1 normal. Le dive peut-être sur Chovy, ça force Exos très très vite. Oh le midlife. Et heureusement que le cible touche pas. On aurait peut-être pu trouver le kill potentiellement sur le jungler adverse. Je veux qu'il réagisse bien à ce tentative de gank. Même si évidemment l'avantage de l'Irelia c'est qu'on peut baisser ce genre de choses. Un Q spell in, ça force l'exhaust. Et ensuite un Q spell out. On avait juste mis le spear qu'il fallait.
Et allez, les griffins qui arrivent maintenant à reprendre le contrôle complètement au niveau de cette botlane. On a égalisé en plus le farm. Lava qui arrive à trouver un petit peu de poke, mais pas assez pour arriver à aller jusqu'au bout de cette Zoé. Pendant qu'il y a Oli au niveau de cette botlane, la catch qui est très très bien sentie de la part des Leons. On a encore un pilote disponible. Flash out instantanément. Lava qui est un petit peu trop loin pour le moment pour arriver à décaler. Et face à un Nocturne, dans tous les cas, tu veux pas trop t'avancer. Ouais, c'est compliqué de s'isoler contre un Nocturne. Ça peut aller très très vite. Nocturne d'ailleurs qui part de manière assez offensive. Bon, Warrior forcément, premier item. Est-ce qu'on n'irait pas chercher en plus une Yomu ou ce genre de choses? Ça pourrait être intéressant. Ah, mais là, toutes les tours par contre des Hanois ne tiennent qu'à une brique. Ah, il y a un voilà, très bon push au niveau de la top lane. Un petit peu de soutien en top lane. On a l'ultimate en plus disponible pour Sword. Et recul d'ailleurs, Lindarang. Ouais, on prend pas de risque. Hein. On a un flash disponible, cela dit, pour Lindarang. Mais même. Et ça, c'est important. On laisse les full ressources à Sword. C'est tellement important de laisser ce Mundo bien dans la partie. Bah écoute, parce que c'est équipe, lui qui va être le pilier défensif. Pour une jeune équipe, ils ont vachement le soutien, hein, les griffins à chaque fois. On entend le public. Après, c'est chaque move qu'ils arrivent à récupérer. Il y a toujours le côté aussi, il y a peut-être underdogs. Même si je pense que c'est une structure quand même en Corée qui est assez publicité. Oh, Sangwen. Oh, Sangwen est tout seul. Là. Ouais, on peut tenter ça. Suppression. Ultimate qui sera dodge avec un bon flash. Flash out de la part de Sword aussi. Lindarang qui coupait la transition. Finalement, ça va être un héros de la faille qui va être avorté. Hein. On a trade un flash et un ultimate pour Sword contre la soumission de Sangwan. Un trade plutôt avantageux à l'avantage des Hanois. Même si on perd aussi l'ultimate de Lava. Et c'est quand même 3 lanes. Non, mais à chaque fois, les griffins, ils arrivent vraiment à s'illustrer au niveau de leur tenue de lane. Hein. Ils sont toujours excellents. C'est 3 lanes quand même qui arrivent à maintenir un push en continu face aux Hanois. C'est une T1 sur la top lane qui a été récupérée en faveur de Sword. Une T1 sur la mid lane qui a bien été grignotée par Chovy. On se rend compte quand même. C'est vrai que cette équipe va être très 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 solide. Le système proposé par Viper, parce qu'il y a quand même 6000 points de dégâts qui a été mis par la duo lane des Hanois. Ça, c'est 6000 points de dégâts, on a perdu juste une fois la vie de Legends. C'est vous dire à quel point le Morgana de la Zivir, c'est difficile à passer. Ah, maintenant c'est dur. Maintenant qu'il est passé, qu'il est level 8, qu'il a récupéré dans tous les cas ses premiers items à AP, qu'il a la CDR aussi qu'il faut. C'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué à push du côté de Sangyun et Eki, qui pouvaient le faire au level 1, level 2. Finalement, ils ont réussi une seule fois en fait à vraiment mettre une grosse vague de Zivir sous tour pour essayer de créer du push. Et suffit de regarder les points de vie des deux tours en fait. Hein. C'est eux qui sont au désavantage maintenant. Et ce qui est embêtant, c'est qu'on peut pas vraiment libérer Darius aussi au niveau de la top lane. C'est là où il était fort, Lindarang, c'est qu'il a réussi à prendre un gros avantage au niveau de la top lane, justement sur la game numéro 1. Et après, par la suite, d'arriver à faire des décalages et être utile très très tôt dans la partie. C'est vrai. Mais là, en l'occurrence, bah, il est un peu forcé de rester au niveau de sa lane. D'une part, parce qu'il a toujours pas récupéré finalement d'item complet. Et de l'autre parce qu'il n'a pas récupéré de T1. Donc il est obligé de last hit évidemment pratiquement sous T2. Parce qu'il est loin de ses coéquipiers. Alors que Sword lui peut apporter un petit peu de présence, peut aller récupérer l'information, chercher l'information dans la jungle adverse, le délivrer à Tarzan, partir en invade de l'autre côté ou faire une action en tout cas de l'autre côté de la map. Il y a un gros TP avantage pour Sword. Celui-là il faut pas l'oublier. Il n'y a aucun moyen de traverser la carte pour les Hanois. En tout cas, aucun moyen avant le retour de TP de Lindarang. Ce sera bientôt, mais pour le moment, il n'y a pas grand chose. Alors que Tarzan lui peut complètement gapco sur une lane. Et on peut très rapidement se trouver dans une situation de 3v1 ou même de 4v2. Deuxième tour, ça y est, de récupérer pour les griffins. Ça va vite, hein, ça va très très vite. Attention, un nouveau life. À pas se laisser surprendre quand même. Sachant qu'une fois que la Zoé va pouvoir se libérer aussi, elle va pouvoir mettre une pression sur les T2 adverses. Commencer à se battre justement dans la jungle, hein. C'est vraiment son terrain de prédilection, la jungle à Zoé, pour jouer un maximum avec les walls. Oh la cage, par contre qui touche, ça ne va pas faire un all-in, il a directement flash-in de la part de Vlad, non. Et on a mis l'exhaust hein, pour se prémunir un petit peu genre de situation. Et même l'ignite, proposé par qui, il sent vraiment de lui dire, tu n'avanceras pas. Ouais, ça force la poule là quand même. Le timing était close quand même. Je suis sûr qu'il mourrait quand même sur le bar chérie. Il mourrait pas, mais bon, il prenait les dégâts.
Là c'est pour nous impressionner par ses réflexes qu'il a fait ça. Bah, il vaut mieux prévenir que guérir. Ça, c'est dommage de mourir, ah, je pensais pas mourir, zut. J'aurais dû appuyer sur Z. Ah oui, c'est vrai que c'est une trinité qui fait la Darius. Il d'arrange pour la deuxième fois. Il va en faire trinité, c'est peut-être plus étonnant maintenant. Et ça y est, on décide de partir en all-in. Là c'est bien dodge de la part de Viper. Il a le rush physique dans tous les cas, il n'y a pas assez de dégâts. La cage aussi qui sera dodge par qui. On a le Black Shield encore de disponible. Attention par contre le burst potentiel. Mais cette fois-ci, voilà, il y a l'ultimate de ce canal. C'est compliqué pour l'option d'aller chercher plus loin. Deux kills récupérés pour le moment, deux kills partout. La Zoé qui va pouvoir faire le double kill. Triple kill peut-être pour Chovy. Oui, triple kill de prix. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Il est trop fort en fait, Ford. Il va tanker là pour le moment. Et Chovy qui va récupérer son quadra kill. Presque pata kill, petit style de la part de Sword. Mais quelle intervention du midlaner des Griffins. Qu'est-ce que c'est fort joué en early game. Ouais, ça fait tellement de dégâts sur ce genre d'escarmouche. Regardez le nombre de summoner spells en plus qu'elle a récupéré sur la map. Des flashs, des ignites, absolument n'importe quoi. Et on va réussir à tomber cette dernière T1. Danois. On va le revoir ce fight. On tente d'engage en se disant que la Morgana peut pas vraiment faire grand chose. L'ultimate de Viper étant passé. Bon voilà, quand tu regardes son engage, bon tu dis bon c'est un peu raté, mais finalement on décide de vraiment partir avec Nocturne. Et là en fait, il faut pas oublier qu'il y a 6 secondes quand même de blind hein, pour les joueurs ouais. Redside. Donc là il voit pas du tout en fait d'où vient cette Zoé. Même s'il s'en doute à peu près. Et après du coup on a juste à se faire cueillir derrière. Regardez la situation de ce Ezreal contre un Mundo, et ça va être tout le long de la partie. Hein. Ezreal qui a juste pas les dégâts pour empêcher Mundo d'avancer. Et Mundo, eh bien, vous connaissez la citation, Mundo va où il veut. Et là pour le coup il a été dans les dents du Ezreal. Avec le point devant comme ça, directement tu vois, fracasser la mâchoire. Et malheureusement on se retrouve avec un Lindarang avec Darius qui a 1-2-1. Alors certes il a trinité, il a les dégâts. Maintenant, on n'a pas empêché le Mundo de faire son travail. Mundo qui en plus peut tranquillement aller chercher de l'anti-heal sur la côte épineuse. Et du coup, encore plus réduire l'efficacité de ce Darius. Oh, est-ce que tu veux vraiment prendre un héros de la faille là face à une Zoé? Est-ce qu'on a le temps de se mettre en place? On a l'ultimate de Viper maintenant qui est revenu. La Turelia qui est utilisée, la cache qui touche, mais non. Ah, pas de all-in, on se ravise. Malgré tous les ultimates de disponibles pour les Griffins. C'est pas un fight qu'on a envie de chercher. Regardez du coup les dégâts de la part de Chovy. 3200 sur les team fights. Allez. Et les dégâts du Mundo aussi. Hein. 2500 dégâts pour le Mundo. C'est autant que le meilleur DPS potentiel des Renois qui avait été celui de la Irelia. On est vraiment dans une méta où, enfin de manière générale, ça fait très longtemps que les tanks font quand même beaucoup de dégâts. Parce qu'ils ont, en fait, ils restent longtemps en fight. Du coup, dès qu'ils ont des dégâts continus, ils peuvent les appliquer pendant une très très longue durée. Et là, c'est d'autant plus vrai qu'on n'a pas vraiment de carry capable de détruire en fait ce genre de tank. Oh, Lindarang, ça se rapproche. Ah, ça, ils sont nombreux. Ça, c'est un arrière de Nocturne dans la tête. Il y a même Zoé qui arrive. Et du coup, il n'y a absolument rien à faire. On va essayer de se replacer, peut-être arriver à sustain un petit peu, mais ça ne suffira pas dans trop de dégâts pour Tarzan et Sword. Il a essayé de burst Nocturne en attendant. Alors, ça n'a pas passé. Est-ce qu'on a une réponse à proposer du côté des Renois? Regarde la cage. Ouh là la cage. Qu'est-ce que tu me fais? Et du coup, il manque une auto-attaque. Une auto-attaque pour arriver à tomber ce Ezreal. La poule par contre qui est disponible. On se replace avec un flash. Mais regardez qui va prendre beaucoup de dégâts maintenant et qui va tomber enfin sous les coups de Leyland et son Ignite. Très très beau travail de la part de Viper, honnêtement. Et le 2v3. Il a manqué cette petite auto-attaque sur Sang-Yoon. Oh, le 2v3 était quand même bien senti. Viper a un peu hésité à mettre des auto-attaques. Il a complètement perdu ce réflexe de carry. Ce réflexe de mettre des auto-attaques, ouais. Après, c'est plus compliqué avec Valdivien, les auto-attaques, ça part un peu plus lentement. Il ne sait plus mettre de clic droit. Quelle tristesse. Et allez, ça a été récupéré là. On passe level 12 du côté de Tarzan. On arrive même à toucher. Prendre la formation sur Sang-Wan. On a vu aussi la pink ward, on n'a pas osé la chercher. Je crois qu'il a pas mis une auto-attaque en vrai, Viper. Non, il a pas mis une seule. Il pensait vraiment le tuer. Et là,
Le combo est beau, hein. C'est transfusion boostée. Ouais, il se replace en plus, mais tellement bien, Viper. Pour être pile poil hors du cercle de Kennen. On abuse du kiting offert par la Morgana. Il aurait peut-être même pu remettre une transfusion boostée. Ouais. Ah, franchement, il est Viper, moi, il m'impressionne vraiment énormément. Hein, pendant... Je suis d'accord, ouais. Sur ce BO. Excellentissime joueur. Sur Ryze, aussi bien sur Ryze que sur Vladimir. Et attention, allez, hein, il faut quand même le respecter. Hein. Pour le moment, il arrive à toucher systématiquement avec ses cages. Faire attention à ne pas se faire surprendre. Ça peut aller très très vite avec une Zoé en prime. Oh, petit mislick. Oh non, gros mislick même, puisque c'est le. C'est le chronomètre là, qui vient de disparaître malheureusement pour les Lands. Et il fait quoi? Il le vend et. Ah, dans tous les cas, il a son Zonia, je pense. C'est pour ça qu'il l'a utilisé. Sûr et certain, il a son Zonia. Ok, pas sûr et certain. C'est 2400 peut-être le Zonia, une fois que t'as récupéré ça. Qu'est-ce qu'il voulait utiliser? Il y a quoi comme. Il y a peut-être le Furelia à côté, en termes de bind. Mais pourtant, il a rien acheté, il avait 2400 gold et il a rien acheté. Étrange. Allez, on va renouveler en tout cas les ping quads autour de ce Nashor. Il a juste repris une ping, c'est vrai que c'est pas forcément le back le plus rentable de la Terre. Mais bon, il y en a besoin quand même des ping quads. Il est dans la caution sur ce travail, mais attends, il est derrière le Mundo. Et je pense honnêtement que les teamfights seront impossibles à gérer maintenant pour les Renois. Simplement parce que ce Mundo ne peut pas mourir. Il n'y a aucune solution, aucune situation dans laquelle le Mundo meurt. Malgré le fait que voilà, on a Marc Dubourreau sur le Darius, Marc Dubourreau aussi sur ce Ezreal. Un Ezreal qui est sur son temps fort à base de Trinité plus item à stack full. Mais ça suffira pas, ça suffira juste pas contre un Mundo qui a énormément d'armure. Mais il est 193 d'armure, bientôt 200. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrive à débloquer maintenant cette T2? Je pense quand même que le Call Nashor est compliqué pour les Griffins. Même si on a un Mundo et un Nocturne, je suis pas sûr que ce soit forcément suffisant. Il n'y a pas de Dragon des Montagnes à l'heure active. Ah, d'ailleurs, prochain dragon sera un Dragon des Montagnes. C'est ça qu'on va essayer de temporiser. Et après, peut-être enchaîner justement sur ce Nashor, avancer sur les objectifs, profiter de ce pic de Zoé extrêmement fort. Attention à pas se faire attraper. Ça va, on n'arrive pas vraiment à trouver des escarmouches là. Le push qui est toujours présent du côté de Sword. Avec la Warmog. Et non, ça va être un dragon des montagnes à mon avis qui va être engagé directement par Tarzan. Sans aide des coéquipiers. Gagne qui met un petit peu de temps là à se décanter. On n'a pas envie de se faire surprendre, on a commencé finalement avec à 14 minutes de jeu. Après ça allait très vite dans un fight où il y a eu 5 kills de récupérer et 3 de l'autre. Ouais. Et là du coup ça ralentit une nouvelle fois. Tu vois ce qu'on commence à faire évidemment, cette fameuse danse autour du Nashor. Ah, on a 3 trinités hein, du côté des Hanois maintenant. Est-ce que c'est vraiment capable de faire la différence? J'en suis pas sûr malheureusement pour eux. Ils ont à la rigueur le scaling pour eux. Mais je suis pas sûr que ce soit un scaling suffisant pour aller détruire des champions comme Mundo qui sont vraiment très très difficiles à tuer. Et on l'a vu aussi le combo Vladimir en Morgana qui marche très bien, qui permet de temporiser énormément. Et on est vraiment pas pressé, on est vraiment pas pressé du côté des Griffins. On va juste laisser Mundo faire son office au niveau de la botlane, essayer de grignoter cette T2 autant qu'il le peut. On avance dans la jungle adverse, dans tous les cas on l'a dit hein. Le terrain de jeu favori d'une Zoé, c'est dans la jungle. D'arriver à trouver justement ses bisous. On en a un d'ailleurs. La cage par contre de la part de Leon, on fait beaucoup de dégâts du côté de Sanguine, c'est excellent. Le barrage cérébral éventuellement pour arriver à trouver le burst. Non, ça ne passera pas. Et attention, ce Mundo justement, Mundo, est-ce qu'il peut survivre suffisamment longtemps? Bien sûr que oui. Le Mundo sens qui peut faire complètement la différence encore une fois. C'est une chose qui se fait pas mal burst dans la mêlée, mais qui arrive à s'en sortir. Premier qui est récupéré par Leon, ça ne semble pas suffire. Regardez à quel point ce Mundo est tanky. Aucun problème pour Sword et le sniping proposé en plus par Tarzan qui pourrait peut-être tomber sous les coups de Sangyun, quoique ça suffit pas. Chovy qui fait son mieux, Chovy récupère un flash, il a récupéré tellement de chemin dans ce spell. Chovy, encore une fois, Chovy qui termine le KO fight à l'avantage de son équipe. Quel travail de ce millénaire, ça fait deux games d'affilée.
où il nous sort des teamfights de folie. Et tout ça avec ce Mundo full life à la fin du fight. Ouais, Warmog effectivement qui aide bien. Leon qui va rester en barrage si jamais il y a un shuriken bien inspiré de la part de Kennen. En tous les cas, il y a bien un smite normalement disponible pour Tarzan, voilà, pas de problème. Et ça va être un acheteur du coup de sécuriser téléport de la part de Viper, on perd pas de temps. On va essayer de sucrer un maximum toutes les ressources des Hanois. Et peut-être la première victoire de cette équipe fraîchement arrivée en LCK. Peut-être un premier match, première victoire. C'est beau. Ce serait très beau. Pourtant, là, le Pokémon de la part de Sangyun, c'est le genre de situation qu'on cherche avec un Ezreal. On touchera pas le barrage terrible malheureusement. Et là, regardez ce Multo hein, qui fait barrage, qui attire tous les focus de l'équipe adverse. Viper aussi qui temporise, mais regardez cette temporisation de la part de Viper. Et là c'est dommage parce que il a réussi à se replacer, mais pas eu le temps de mettre sa transfusion. Ouais, Lindaran qui se fait complètement zoner. Et après là c'est la fête des sur lance spell pour Chovy. Ça saute de tous les côtés, on récupère en plus même une exhaust, un flash. Il a tenté pourtant hein. Sangyun, il a vraiment tenté de trouver le burst sur Chovy. Waouh, c'est Zoé qui a failli one shot Darius. Bah ouais, t'as fait Trinité aussi. T'aurais fait une titanesque, t'aurais pas eu le problème. Ça a très bien marché à la game 1. Ouais, mais la game 1 il était déjà à 3-0 je crois quand il fait la Trinité. Ouais, c'est possible. Et allez, ça y est, Asward maintenant qui arrive à trouver des dégâts. Évidemment, il n'y a plus de défense, hein. Il n'y a pas de ligne d'arrang pour arriver à défendre cette T2 sur la botlane. Donc du coup, c'est Asward qui avance librement avec une énorme wave d'ailleurs de son côté. On va continuer la pression au niveau de la mid lane. Regardez, obligé d'utiliser un barrage térébrant pour arriver à tomber ce sbire canon. C'est dommage parce qu'il n'a pas avoir le respawn des waves, ça aurait pu faire gagner un petit peu de temps. Mais bon, on va quand même pouvoir prendre cette T2 du coup du côté des Griffins, encore une minute 50 de Nashor. Autant dire 3 à 4 waves de sbires qui pourraient aller s'écraser sur les tours. Même si on n'a pas de bannière de commandement, ça peut quand même être des timings ultra favorables pour eux. Allez, on va faire un décalage top lane là maintenant. On va laisser le Mundo partir en bot lane, avancer au niveau de la T3, mettre la pression sur les joueurs des Hanois. On voit bien qu'il a bien réussi à grignoter cette tour. Rejoindre le Vladimir au niveau de cette top lane pour venir à bout de cette T2. Et après, est-ce qu'on continue? On va continuer probablement. Hein. Il y a Tarzan dans tous les cas qui peut assurer le wave clear au niveau de cette mid lane. Il a un ultimate pour arriver à rejoindre ses coéquipiers. Je pense qu'on va pas hésiter, on a encore un Sbire canon, peut-être un one burst aussi potentiellement. Et ça sera sur la botlane, finalement le Fear qui sera flash out. Mais les dégâts ont été suffisants par contre pour arriver à tomber avec son Gwan. Lindaran aussi qui va tomber. Viper. Et ce Mundo qui est complètement incontrôlable. Et on avance maintenant, et on avance. Premier inhibiteur de tomber au niveau de cette botlane. Deuxième inhibiteur qui va tomber en mid. Et la T4. Allez, le baroud d'honneur, le baroud d'honneur. Oh là là, le dégât de Viper. Le baroud d'honneur de lava peut-être. Lava qui va essayer de temporiser maximum, ça suffira malheureusement pas. Qui va tenter de mettre quelques contrôles, pas suffisamment, et Viper qui zone, le Nexus qui devrait tomber, et les Griffins qui remportent leur premier match en LCK, et pas contre n'importe quelle équipe, c'est contre l'équipe anciennement nommée Rocks Tigers qui arrive en Hanwha Life Esports. Et comme tu l'avais dit, c'est Mundo finalement qui n'a pas du tout été embêté par le Darius, qui est monté en puissance et qui était un véritable mur de pierre pour l'équipe adverse, pardon, intombable. Ouais, j'ai l'impression que les Griffins qui vraiment profitent au maximum de cette victoire. On a gagné ou... Submergé par l'émotion. Ouais. On voit qu'il en perd ses mots. Je réalise pas. Moi, j'ai gagné ou pas? Ouais, ils ont l'air contents quand même. Les joueurs Griffins, évidemment, c'est une très très belle performance. Hein. Gagner leur premier match-up. Évidemment, dédicace à tous les fans des Rocks Tigers. C'est peut-être au Griffin maintenant qu'il faut attacher son affection. On peut vraiment dire que l'équipe a un style de jeu particulier, parce que en fait, on va pas s'en rendre compte à cause de la méta. Parce que tout le monde a à peu près le même style de jeu agressif finalement, vu les compos. Ouais, mais quand même, Griffin se sont illustrés hein, par leur tenue de lane. Même s'ils ont perdu une game,
Faut quand même avouer qu'à chaque fois ils ont été très bons. Ils ont réussi à mettre beaucoup de rythme. Ils ont fait certes surprendre par quelques ganks, mais en termes de tenue de lane, en termes de pression sur les adversaires, plus de push de lane, ça a vraiment été à chaque fois très bien maîtrisé. Ouais, ce pick-up sur Lendaran qui a vraiment commencé à être le début de la fin, parce que à partir de là il peut plus mettre aucune pression sur le Mundo. Oh, on va avoir le plaisir de le voir deux fois en plus. Waouh. Ça valait le coup. Un kill tellement important. Et là aussi ce fight là. Et là c'est Chovy qui fait tellement la différence. J'étais vraiment ultra impressionné par les performances des joueurs Griffin. Chovy sur la mid lane. Viper aussi au niveau de la bot lane. Sur son Rise puis sur son Vladimir. Très très gros travail. Et Daran qui pouvait plus du tout speed push à cause du Nocturne et à cause du retard sur ce Mundo. Ouais. Ouais, effectivement, c'est. Fallait engranger un peu plus de farm. Et là, on va revoir justement ce 2v3 de la part des Griffins qui était parfaitement mené. Et le One Burst pratiquement sur Sangwoon. Ouais, même One Burst en fait. Complètement. Décalage de Viper pour venir à bout de Lindarang. Et un Sword qui était invulnérable avec son Mundo. Et 12 086 points de dégâts quand même. Presque autant que son Vladimir. 20 000 évidemment pour la mid lane pour Selzoe qui a poke à répétition. Et Sangyun qui a tenté, hein. Il a mis les Q-spell avec son Ezreal, c'est bien. Tu peux essayer de descendre les points de vie derrière, mais ça remonte tellement facilement avec un Vladimir, avec un Mundo. Mais c'est pas vraiment rentable malheureusement, il faut trouver un DPS fort, mais un DPS qui est capable de rester en vie dans les teamfights. Et ça, c'est quelque chose qui est plus vraiment jouable, en tout cas avec les champions range maintenant. Peut-être jouer maintenant avec du Master Yi ou du Tranaver. Franchement, ouais. Si tu joues Tranaver, au moins tu restes en vie dans les teamfights. Pourquoi pas une Tranaver Taric sur la mid lane, hein. Ça peut arriver. Franchement, on a quelque chose à lancer. Mais bon, après un Jax aussi c'est tellement fort puisque t'as des contrôles, oui. Donc ou un Xin Zhao éventuellement. Ou un Masari qui fait pareil, mais en plus il peut devenir inciblable. En plus. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses, ouais. À faire, donc on fait confiance aux équipes en tout cas. Faut pas oublier évidemment qu'on a à l'orée, hein, des games compétitives pour le moment sur ce patch 8.11. J'espère que les équipes vont réussir à nous surprendre et surtout arriver à exploiter tous les champions qu'ont mis à disposition Riot au fur et à mesure des années. Parce qu'il y a quand même de quoi faire. Même ça fait plaisir de retrouver certains champions comme Nocturne en compétition ou Darius ou etc. Même Kanin support, Fiddlestick aussi qu'on a retrouvé. Oui. Pas mal de choses. Et le MVP du coup qui s'est révélé, Chovy, le midlaner de CA Griffin, qui est entré lors de la deuxième game. On avait eu Razer qui jouait la Lulu sur la première game. C'est pas forcément ultra bien passé pour lui. Après, il a plutôt bien géré sa lane, mais d'ailleurs, on s'est fait complètement crush par des Anwa qui arrivaient vraiment à trouver les bonnes solutions, notamment en termes de rotation. D'ailleurs, Chovy qui rentre en place, Chovy qui joue avec des champions qui sont eux plus censés positionner les dégâts. Yasuo au premier game. Et là, Zoe juste après, et dans les deux games, il fait un énorme travail. Ouais. Félicitations à ce joueur Griffin, du coup, qui. Je me demande si c'est pas la première équipe de Challenger Series à remporter la première BO, comme ça, en rentrant directement. En LCK. C'est une bonne question, Tek. Je vais pas vous dire des bêtises parce que je vais pas me tromper. En tout cas, c'est quand même une très très belle performance de leur part. J'ai vu quelques personnes dans le chat disant oui, mais Rocksager, c'est plus ce que c'était. Ils sont le ladder. C'est le ladder de la LCK. Calmez-vous. Mais ils ont perdu contre la Chine, donc excuse-moi, ils sont pas exceptionnels, les Coréens. Mais en tout cas, nous on va vous laisser. On se redonne rendez-vous demain à 7h du matin. Oui, 7h du matin. Demain, 7h. Demain, c'est Super Day LCK. 3 BO rien que pour vous. Ça va commencer avec Kingzone contre Genji. Après, il y aura Africa Freaks contre SKT et KT Rollster contre Jiner. Voilà. Alors, juste pour ceux qui. Les Genji qui sont les ex KSV, ex Samsung. Du coup, c'est juste un rebrand de la marque. C'est normal, en Corée, les joueurs, enfin les équipes changent parfois de nom. Donc, premier BO à 7h du matin, deuxième BO à 10h si vous voulez voir SKT, troisième BO à 13h si vous voulez voir les KT Rollster contre les Jiner. Et à 7h du matin, voilà, comme on l'a dit, Kingzone contre Genji. Donc voilà, nous on va vous laisser avec Tech. Bah oui. On vous souhaite une agréable journée. Et on vous dit à demain sur Gaming TV. Bye bye.